Bienvenue à tous en direct de Marseille. Merci de nous être fidèles pour le troisième volet de notre grande série sur France 2 le samedi soir en ce mois de novembre. Rencontre avec les meilleurs rugbymen du monde. C'était d'abord l'Australie, samedi dernier c'était déjà la Nouvelle-Zélande. Ce soir avec Thierry Lacroix, nous avons le plaisir de vous commenter la revanche du match France-All Black. Les Français ont perdu samedi dernier. Thierry, est-ce qu'ils peuvent gagner ce soir? Oui, effectivement, Pierre, Lomu absent. Déjà, c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Et puis, il y a des matchs, Pierre, vous savez, on humecte un certain parfum de victoire. Voilà. Et ce soir, il est là. Il est là, le parfum de victoire qu'on espère, l'exploit en tout cas qu'on attend de cette équipe de France que nous allons maintenant vous présenter. L'équipe de France, donc, qui joue sur la pelouse des footballeurs de l'OM en cette soirée de novembre et qui accueille donc les All Blacks de Nouvelle-Zélande avec au poste de pilier gauche ce soir Sylvain Marconnet numéro 1, numéro 2 talonneur de l'équipe de France Fabrice Landreau, numéro 3 il est originaire d'Afrique du Sud, pilier droit Pieter De Villiers, numéro 4 David Oradou associé à Fabien Pelousse, numéro 5 capitaine. La troisième ligne est composé de Christophe Mauny, numéro 6, numéro 7, Olivier Magne, numéro 8 et troisième ligne centre, Christophe Juillet. Demi de mêlée, numéro 9, Fabien Galthié. Demi d'ouverture, numéro 10 et buteur de l'équipe de France, Christophe Lamaison. Ce soir, il joue trois quarts aile gauche, Xavier Garbajosa. Trois quarts centre, numéro 12, Franck Combat. Trois quarts centre, numéro 13, Richard Dourt. Trois quarts aile droit titulaire ce soir, Bernard Salles. Et enfin, au poste de numéro 15 arrière, c'est le grand retour à 34 ans de Jean-Luc Sadourny. Voilà pour l'équipe de France. Son adversaire ce soir, c'est la fameuse équipe des All Blacks de Nouvelle-Zélande. Avec cette nouvelle silhouette avec laquelle vous allez vous familiariser. Mais tout d'abord, je vous présente la première ligne. Avec comme pilier gauche, Greg Fick, numéro 1. Talonneur numéro 2, Anton Oliver. Pilier droit numéro 3, Greg Somerville. La deuxième ligne est composée de Todd Blackadder, numéro 4, capitaine des All Blacks ce soir. Numéro 5, Norm Maxwell. Troisième ligne, numéro 6, Ruben Thorne. Numéro 7, on le surnomme le rasoir, c'est Scott Robertson. Et enfin, numéro 8, on dit que c'est le successeur de Zinzanbrook, Ron Crib. Le demi de mêlée numéro 9 est Justin Marshall. Le demi d'ouverture et buteur de l'équipe des All Blacks ce soir, c'est Andrew Mertens, le bourreau des Français la semaine dernière. Numéro 11, il remplace Lomu. Il est né d'une mère française et d'un père maori, Bruce Rihanna. Numéro 12, c'est lui qui va conduire le haka ce soir, Daryl Gibson, associé au centre à l'une des vedettes de cette sélection des Blacks, Tana Umaga, numéro 13. Il a marqué un essai contre la France au Stade de France, numéro 14, Doug Hollett. Et enfin, il est considéré comme le Baryshnikov du rugby néo-zélandais, numéro 15, Christian Cullen. Voilà donc cette sélection des Blacks qui impressionne tant. N'a-t-on pas l'habitude de dire, Thierry Lacroix, il porte le deuil de les adversaires. Pourtant, vous avez fait partie d'une équipe de France qui, en 94, a réussi l'exploit de battre deux fois les Blacks chez eux, ce qui veut dire que ces Blacks ne sont pas invincibles. Effectivement, Pierre, on les a battus comment en 94? Déjà, éviter l'indiscipline, les fautes. Mertens, c'est du tout bon, c'est du 100%, limite 99, entre 99 et 100%, évitons de lui donner des munitions pour faire briller son pied. Là-dessus, eh bien, on l'a montré la semaine dernière, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de jeu, déplaçons ces Blacks sur les extérieurs et on va se créer des espaces et marquer des essais. Mais, please, s'il vous plaît, évitons les fautes bêtes. Ils entrent dans l'arène du Stade Vélodrome de Marseille, les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Les voilà, les All Blacks tant redoutés. Ceux qui, samedi dernier, au Stade de France, ont battu les Français qui arrivent à leur tour sous la conduite de leur capitaine, Fabien Pelousse. Il entre en marchant. Preuve de sérénité, de concentration aussi. Regardez, on se lit juste derrière Fabien Pelousse, la première ligne.
On est ensemble, c'est de bon augure. Pendant ce temps, les Blacks ont fait un rond autour de leur capitaine, Todd Blackadder. Les Bleus de France, eux, s'apprêtent à affronter la tribune d'honneur et attendent de tout ce public de Marseille chaud bouillant un inconditionnel support ce soir. Déjà l'échauffement, les Français avaient été acclamés. Le public vociféré France, et je crois que ce soir, ça sera un élément important pour cette équipe de France. Dans les moments difficiles, il y en aura. Dans les moments aussi où l'équipe de France dominera, ce public, c'est en 16e homme. On a toujours besoin et ça fait du bon au cœur. Les équipes sont en train maintenant de se mettre en rang face à la tribune officielle. C'est l'heure des hymnes et en l'honneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, la musique de la Légion va interpréter God Defend New Zealand. Cette bonne ville de Marseille, tout entière acquise à la cause des Bleus ce soir, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Le rugby a réussi son opération séduction dans la ville du football. Ça, c'est déjà gagné. Maintenant, c'est l'heure du match, c'est l'heure du combat. C'est l'heure aussi du fameux haka des All Blacks de Nouvelle-Zélande. Le haka, c'est un cri de guerre maori. C'est l'occasion pour les Néo-Zélandais de rappeler que le rugby, c'est un combat. Et c'est l'occasion de rappeler pour ses descendants de guerriers qu'ils sont prêts pour le combat. Déjà un bon point pour le public de Marseille et pour l'équipe de France. Ils ont respecté le haka des Néo-Zélandais et c'est bien la moindre des choses que l'on devait à ces joueurs venus du bout du monde qui donnent une leçon de rugby chaque fois qu'ils apparaissent devant nous. Effectivement, et puis pour eux, cette fois-ci, l'équipe de France eh bien, s'est mise en ligne face à ces All Blacks, comme quoi le défi est là. On leur dit, messieurs, nous sommes présents aujourd'hui. Vous avez eu la première manche, on compte réussir la seconde. Et on va vous respecter jusqu'au bout, à vous regarder faire votre haka. Et maintenant, à nous les ballons, à nous le jeu. Et on va vous démontrer justement qu'on est présent aujourd'hui. C'est le troisième match d'une série qui oppose la Nouvelle-Zélande à l'équipe de France en un an. Il y a un an, c'était pour la demi-finale de la Coupe du Monde à Twickenham. Et c'est la France qui l'avait emporté. Pour la revanche, samedi au Stade de France,
c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné. Alors ce soir, c'est la belle. Et que la victoire soit belle. Et autant que faire se peut qu'elle soit bleue. Ouais, oui, je crois qu'elle sera bleue aujourd'hui et ce soir, avec ce public, fantastique public marseillais qui est venu nombreux, vous l'avez dit Pierre. Et ça, ça va être déterminant dans la partie. Je peux vous dire, quand vous êtes sur le terrain, il faut encourager les Bleus. Et sur ça, ils sont prêts à le faire. Vous venez de voir l'arbitre. C'est un jeune arbitre. Il vient d'Afrique du Sud, Monsieur Kaplan. Il est assisté à la touche aujourd'hui d'un Australien, Monsieur Young, et d'un autre Sud-Africain, Monsieur Henning. Il a 33 ans, Monsieur Kaplan. C'est lui qui avait accordé la pénalité de la dernière minute qui avait donné la victoire à l'Australie à Wellington. Et c'est parti. Oui, on a bousculé les Blacks en ballon. Et donc on sera pénalisé sur le renvoi. Alors que là, au moins, dans les airs, on avait récupéré la balle, ce qui n'avait pas été le cas la semaine passée. Au passage, je rappelle qu'il y a quelques instants, quelques heures, à Twickenham, à la dernière minute, l'équipe d'Angleterre a battu l'équipe d'Australie. Non. Le jeu dans le camp de l'équipe de France. A lancé un touche qui va être effectué par Oliver, le talonneur des Blacks. Les Noirs ont réduit l'alignement. On combine bien côté Black, on est venu devant, mais on est la pression est française sur Marshall. Gibson au contact, mais on reviendra à la faute. Nana Van Black, ça sera une mêlée face à l'introduction de Oliver. Mêlée Galtier. Number 2. Mêlée dans le camp de l'équipe de France. Gibson ici, c'est lui qui a conduit le AK tout à l'heure. Le ballon. Maori de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Non. Un tout autre match ce soir, puisque les Blacks ont déjà imposé leur jeu. Ils veulent mettre du mouvement. Ils avaient beaucoup joué au pied par Mertens la semaine passée. La pression maintenant est différente. Ils ont gagné, ils vont jouer relâché. Et attention au match qu'ils nous promettent. Galtier pour l'introduction. La bonne poussée encore du pack français. Juillet, le contact, oui, sur Mertens. Balle au sol, libéré. Galtier pour la maison. Combat là-bas. Pour Sadourny qui touche son premier ballon. Loin devant. Dans ses 22 mètres, Cullen. L'arrière de l'équipe de Nouvelle-Zélande récupère ce ballon et dégage. Magne à la réception pour les Bleus. Franchit la ligne médiane. Il est bien encore écran, il a protégé son ballon. Le côté fermé, superbe. On les cale, calage devant. Au Garbajosa, la lutte. Va-t-il essayer? Essai de Garbajosa. Le match a commencé depuis 2 minutes et c'est l'équipe de France qui marque. Quelle folie, Garbajosa, calage devant. Faites de passe intérieure, il va jouer par-dessus. Et c'est l'essai, première initiative française, premier essai. C'est du tout bon. Le public se réveille, c'est la folie. Regardez, le bon côté fermé. Cadrage des bords sur Marshall. Il ne peut pas donner intérieur parce qu'il y a un joueur Black entre les deux. Il va jouer l'initiative personnelle, c'est essai. Superbe. Oh, plus que de la balle, c'est de la sphère, ça. Regardez ça. Intérieur, extérieur, voilà le cadrage des bords de main. Il a fixé son adversaire sur les appuis. Et là, après la chevauchée, il a regardé intérieur. Petit coup de pied par-dessus de Mertens. Et là, c'est la terre promise. Regarde sur le ballon, il va se jeter. Le plus prompt, c'est lui, Garba. Et c'est extraordinaire. Il avait déjà crevé l'écran samedi dernier au poste derrière, Garbajosa. Eh bien, dites donc, quelle entame de match il fait ce soir ici à Marseille. Maxwell, de deuxième ligne, néo-zélandais, ne revient pas. Tandis que Christophe Lamaison va tenter la transformation au coin de cet essai. Il est parti. Ça passe. Ça passe. 2 points de plus, c'est bon ça. Superbe entame de match du côté français. Alors vous l'avez vu, on va fixer et jouer beaucoup le côté fermé. Ça a réussi, insistons. Les Blacks étaient en infériorité numérique. Il va falloir continuer à les jouer dans les petits côtés. Mertens renvoie court. Réception pelouse. Prise de balle de main. Superbe. On est présent aujourd'hui dans les airs. On se libère. On pousse. Galtier. La maison. Coup de pied rasant. Cullen est à la réception de ce ballon. Relance de l'arrière de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui échappe au plaquage de Richard Dourte. Et qui essaie de semer le désordre dans la défense française. La balle sort pour Marshall. Marshall pour Mertens, coup de sifflet de M. Kaplan. Oui, Richard avait loupé le plaquage sur Mertens, mais en filou qu'il est, il avait suivi l'action, senti le jeu. Et vous allez voir, il va intervenir sur Umaga. Voilà, il lui fait tomber le ballon, ça sera passe en avant. Et les Français récupèrent la balle.
que là, du pressing français, on revient vite dans le camp All Blacks, que vous voulez la porte, et on a l'initiative du jeu. Contrôlons les ballons, mettez-le à la faute. Légèrement dans le camp néo-zélandais, cette mêlée, Juillet s'est échappé, met la balle au sol pour Galtier, la maison par-dessus la défense qui était montée très vite. Marshall est là en couverture qui pousse vers Kullen, coup de pied de Kullen. Sadourny à la réception de ce ballon, finalement c'est un ballon qui sort en touche car l'arrière de l'équipe de France n'a pas pu le toucher. On arrive à bien fixer ce paquet All Black, Juillet qui est parti à la percussion, on a vite libéré, un ou deux joueurs suffisent pour nettoyer et rendre ce ballon propre pour enchaîner le jeu. La maison alterne, un peu au large, un peu par-dessus, il faut déstabiliser ces Blacks. Oui, belle réception de Radu, on s'organise avec Landreau à la pression. La maison, up and under, chandelle de récupération, le ballon va tomber à hauteur de la ligne médiane, Oumaga ne contrôle pas, Moni non plus. C'est ballon Black, petit coup de pied de Marshall, récupération Garba de Garba. Face à Marshall, libère son ballon. Et le côté fermé encore Galtier, non on va jouer fixe avec la maison qui a vu l'angle dégagé, qui tape loin, Bernard Salle à la course avec Kullen. Ou le bon coup de pied, la belle diagonale. Attention, Bernard Salle est tout seul, il faut attendre le soutien. C'est Kullen qui récupère et qui relance maintenant. On a sollicité Rihanna, le franco-néo-zélandais qui vient de franchir la ligne des 22 mètres des Blacks. On vous l'a dit, maître du jeu les Blacks. Attention Maga, cadrage et bord, bien pris par combat. Mais elle est ouverte. Ballon sort pour les Bleus. Grosse pression de Thorne sur Galtier. Récupération du ballon par Blackadder, le capitaine des All Blacks. Christian d'Oliver dans l'axe, il va percuter. Les Blacks approchent de la ligne médiane. Bien organisé défensivement côté français, on prend bien la zone. Blackadder pour Mertens, coup de pied rasant. Bonne couverture de Sadourny. Qui récupère mais qui prend tout de suite Robertson. Le ballon est toujours pour les Bleus. Garba Josa qui essaie d'échapper à Gilles. Oh, le pass, il est passé. Qui peut relancer car le soutien de Juillet à l'intérieur. Et les Français peuvent enchaîner cette fois, c'est par Marconnet. Et puis échappé de Landreau, maintenant ils sont déchaînés les Bleus. Soutien de Pelousse, le capitaine qui met la balle au sol. Superbe corps écrasé, encore dans le fermé, De Villiers. Regardez, on protège bien sa balle, le corps est devant le ballon et on pose bien la balle. Galtier qui combine, on va jouer sûrement en croisé, c'est un ballon lent. Voilà, Titou la maison qui va croiser avec Oradou. Balle au sol. Galtier. Une couche au rein, oui, Maille, il est passé. Et c'est de Maille. Deuxième essai de Maille, lancé plein sol, il est passé devant. Superbe. Non, l'arbitre l'accorde, tant mieux. Monsieur Kaplan accorde le deuxième essai à l'équipe de France, il est marqué par Olivier Maille. C'est du feu, ça joue de partout. On vous l'a dit, les Blacks sont venus pour jouer. Et à ce jeu-là, eh bien messieurs, nous sommes là et on vous prend. Regardez, on a alterné au ras, on a joué un peu au large, on a croisé. Et la Maille est venue dans l'espace au niveau de Mertens. Et les cannes sont là, Olivier, c'est un athlète, il va vite, regardez, satisfaction, il va remercier le public. Regardez cette belle attitude, ballon opposé, il est prêt à rafuter de son bras droit Kullen s'il vient à la charge. Mais les jambes sont là, Kullen le sait, il ne pourra pas arrêter le Montferrandais. Superbe essai de l'équipe de France. Et ça fait 12 à 0 pour les Bleus, 12 à 0 ici à Marseille. Et pendant la transformation, on a posé un emplâtre sur la main gauche de Xavier Garba Josa. Mais rassurez-vous, il reprend sa place, le Toulousain. Titou la maison pour la tentative de transformation de ce deuxième essai marqué par l'équipe de France. La balle prend le chemin, passe entre les poteaux. Deux points de plus, c'est un sans faute, c'est de la bombe. 14 à 0. Et les Blacks ne sont pas habitués à se faire mener de la sorte. L'initiative, l'enthousiasme, la réalisation, la technique, elle est française. On contrôle bien la balle, on met ce corps en opposition. Messieurs les Blacks, à vous, montrez-nous que vous êtes les meilleurs. Encore dans les airs, Radu. Galtier. Bien alterné, jeu par-dessus. On va bien monter en ligne côté français. Rihanna, arrêt accordé. Joue tout de suite pour Kullen. Par-dessus, la défense française. Kullen récupère son ballon. Le Garba Josa qui va encore se lever. Camoni en soutien, qui met la balle au sol pour une mêlée ouverte. Magne qui continue pour fixer un petit peu plus. C'est un ballon lent, il va falloir recroiser le jeu une fois de plus, à moins de taper le drop, se mettre en profondeur, c'est fait. Le voilà le drop, rasant raté. Pour relancer les Blacks par l'intermédiaire de Hollett, leur allié, dans les bras de combat. Contre-attaque des Bleus peut-être. Oui, avec Sadourny maintenant. C'est bien, on reste près des avants avec la dynamite Landreau.
Puis Magne maintenant, c'est la ligne des 22 mètres de l'équipe des Blacks que vous voyez là. Encore un ballon là, il va falloir croiser le jeu. Voilà qui est la maison qui croise. Il a passé les bras, il est passé la maison. Ils loupent leur plaquage, les Blacks, ils sont déboussolés. Leur jeu côté Black, on laisse l'avantage côté français. Magne, il va falloir repartir au ras. Voilà, c'est fait, Dourte. Dans les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Il faut remettre une couche au ras, il manque du soutien en large. La maison. C'est fait avec Pelous. Le capitaine immédiatement plaqué, mais il est dans les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Galtier, la maison passe au pied. Aulette est à la réception pour les Blacks, il a sifflé, monsieur Kaplan, il y a du hors-jeu dans l'air sûrement. Eh oui, un hors-jeu au départ qui n'a pas profité à l'équipe de France, on est resté stérile sur une même ligne, on n'a pas avancé. Et un bon arbitre qu'il est, monsieur Kaplan revient à la faute Black. Et croyez-moi, celle-là, on va la taper, même si on mène par 14-0. Les Blacks nous l'ont démontré la semaine passée. Voilà, bien vu, Pelous. Les Anglo-Saxons qui ont inventé ce jeu nous disent qu'une pénalité est faite pour être tentée. C'est bien que les Français, ce soir, dans un bon jour, s'en souviennent. Même s'ils mènent, je le rappelle, 14-0. Pas plus bête que les Blacks, sachant utiliser leur côté aussi coaching. Sérénité, on a 14, mais si on peut en mettre 17, on en met 17. Même si c'est vrai, le public français aimerait qu'on mette du jeu, mais il viendra, il est déjà venu. Titou Lamaison, il avait été le héros de la victoire contre les Blacks, justement, en demi-finale de la Coupe du Monde à Twickenham. Il avait marqué 28 des 40 points de la victoire. Gibson, le centre néo-zélandais. Et Titou Lamaison pour une pénalité réussie. La balle passe entre les poteaux, plus 3, 17-0, 17 Thierry. Alors nous enflammons pas hein, Pierre, c'est vrai qu'on a un début de partie extraordinaire, on domine les airs, ce qui n'avait pas été le cas une semaine auparavant, on alterne bien le jeu au ras, le jeu en croisé sur des ballons lents, le jeu au pied. Maintenant attention, les Blacks c'est les Blacks, on l'a vu, il ne faut pas leur laisser des espaces. Allez, Magne à la réception, on va s'organiser autour de lui, c'est bien vu, contrôlons ce ballon. Renvoyons-les chez eux. Voilà, ballon lent. Là, c'est du jeu au pied, du jeu croisé. Et là, ça va être du jeu au pied avec la maison qui ne cherche pas la touche, mais loin devant. Cribb contrôle cette balle pour les Blacks. Bien monté en ligne côté français. On va l'obliger à jouer au pied. Sinon, il sera isolé. Voilà, il faut le croquer. C'est bien fait. Pelous à la charge. Poussons-le chez lui. On récupère la balle sur la pression. Non. Attention, le fermé. Mertens, il a les cannes. Il a pris le jus. À l'intérieur, il a trouvé le soutien de Kullen qui slalom à son tour. Les Bleus récupèrent la balle. Galtier, puis Sadourny maintenant, un long coup de pied qui renvoie le ballon dans le camp des Néo-Zélandais. Gibson est là pour réceptionner cette balle. Dégagement de Gibson. La balle reste dans l'air de jeu. Contrôle de la maison dans ses 22 mètres. Long coup de pied, il a bien broncé sa balle. Il cherche l'angle. Pas la touche, il faut monter. Obliger les Blacks à nous rendre le ballon. Voilà, Cribb numéro 8. Alors va-t-il taper loin ou en touche? C'est du loin encore. Sadourny à la relance. Pour la maison maintenant. Par-dessus, c'est bien, on alterne. Avec Juillet, il faut sauter, sinon on n'aura pas le ballon. Au rebond, voilà. Et Omaga a gagné la balle pour les All Blacks. Marshall sollicite Mertens. Mertens pour Hallett. Hallett intérieur. Oh, il y a le soutien de Marshall, le contreur. Essai de la Nouvelle-Zélande, essai, je vous l'ai dit. Marshall. Il y a le surnom à l'intérieur, il l'a bien vu. À ce jeu de gagne-terrain, on a laissé des intervalles aux Blacks. Et là, il aura suffi d'un joueur supplémentaire, en l'occurrence Kullen une fois, et Howlett dans le fermé. Regardez, on est 2-3 bleus contre 4 noirs. On fixe, et là, crochet intérieur sur Galtier. Il n'a plus qu'à jouer cadrer juste Garbajosa pour aller marquer en terre promise. C'est Howlett, le 3 quarts aile droit de l'équipe des Blacks, qui avait marqué un essai d'ailleurs au Stade de France la semaine dernière, qui est à l'origine de cet essai de Marshall. À ce jeu au pied, à un moment donné, il faut sortir la balle du jeu. En jouant les angles, on commence à se disperser, puisqu'on le sait. Il faut faire action quand on est devant le ballon, faire action de recul, de repli. Pendant ce temps, les autres montent. Et puis on se retrouve à un moment donné tout mélangé. Et il n'y a plus de soutien, il n'y a plus de ligne. Mertens pour la transformation. Ça passe. France 17, Nouvelle-Zélande 7. Les Blacks assommés dans les 10 premières minutes de folie des Bleus sont en train de reprendre leurs esprits. Attention. C'est ça la force des Blacks aussi.
de savoir gérer les moments forts et les moments faibles. Ils étaient en moments faibles face à des moments forts français. Et dès qu'ils ont pu, ils ont réaccéléré quand nous étions dans les moments faibles. C'est une preuve de grande équipe et de maturité. Allez, la maison, renvoi court, bien, on rate de la ligne 10 mètres, des 40. Là, on peut lutter. Ballon récupéré par Maxwell. En tout cas, ça fait 3 essais en un quart d'heure. Et personne ne va s'en plaindre. Et c'est pas fini. Bonne progression des avant néo-zélandais. Contré par les bleus. La balle doit sortir. Faute des Français. Monsieur... Non, ça sera une mêlée. Il y a Fick qui s'énerve. Il y a Somerville qui s'énerve à son tour. Toujours notre petit Touillade, sympathique, du dimanche ou du samedi. Et oui, Richard Dourt, on le connaît, il a l'esprit chaud. Il va falloir le faire attention parce que tous les arbitres le surveillent à Richard. Attention, Richard. Canalise cet esprit guerrier. Allez, on a bien poussé les Blacks sur leur molle. On les a fixés. En molle qui est statique, qui n'avance plus. Et bien on laisse la balle au camp qui défend. Donc la France. Come on, come on. Dans le camp de l'équipe de Nouvelle-Zélande, Galtier fait l'introduction. Poussée française. C'est écroulé, on va refaire la mêlée. Rappelons la règle. Toujours les épaules au-dessus du bassin. Poussons droit, pas en travers, pas vers le haut, comme des bouchons de champagne. Et le public qui se réveille. Allez les bleus, ils sont sur la bonne voie. Ah oui, il est plus chaud qu'au Stade de France, le public de Marseille, et ça fait du bien aux bleus. Galtier, ballon libéré. Alors, récupéré par les Blacks, perdu par l'équipe de France. Attention, ils savent les jouer ces ballons, il y a un 3 contre 2. Oumaga. Oumaga n'a pas servi Rihanna. Bernard Salle en couverture ne contrôle pas le ballon. Oumaga est arrivé comme un obus et la balle se retouche à hauteur des 22 mètres de l'équipe de France. Oumaga comme un obus et Richard Dourt aussi comme un obus. Il le surveille comme le lait sur le feu. Regardez, Richard, il est pris. Et puis il voit qu'il y a danger, il va revenir sur Bernard Salle. Regardez à droite de l'écran et là. Regardez, hop, voilà, on lui saute dessus. Cette mêlée fermée, tout près des 22 mètres de l'équipe de France. De liberté dans ces deux équipes, hein, Pierre, par rapport à la semaine dernière. On est relâché maintenant, on joue sans rugby. Allez, on sollicite Thorne, qui libère le ballon. Marshall, Marshall pour Mertens, une passe sautée pour Gibson. Oh, il y a Cullen qui est venu là, renfort. Cullen qui entre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oliver a libéré la balle. Marshall pour Mertens. Mertens passe au pied qui est destiné à Crib. Il y a Bernard Salle en couverture. Et il y a un dégagement à la sauve qui peut de Garbajosa qui fait un cadeau en or à Rihanna. Rihanna plaqué à 5 mètres de la ligne. D'essai des Français. Faut défendre les Français. Faut mettre des barbelés. Heureusement, il a sifflé Monsieur Kaplan. Oh là 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 là. Garbajosa qui a fait une reprise de volée. Un cadeau pour Rihanna. Heureusement qu'on a bien défendu avec la maison qui avait senti le coup. Magne présent aussi. Garba qui était venu à la rescousse pour réparer son erreur. Solidarité française. Mêlée à 5. Marshall fait l'introduction pour les Néo-Zélandais. Alors qu'on a toujours ce fameux combat entre Marconnet et Somerville. Marconnet avait pris le dessus une semaine auparavant. Et c'est toujours un combat de titans au niveau de cette première ligne. C'est beau bébé, ça travaille, les bras, on tire sur les bras, on croise entre les cervicales. Regardez, on a écroulé encore la mêlée, mais il laisse jouer pour l'instant M. Kaplan. La balle sort pour Marshall. Non, il revient. Il va sanctionner même, je crois, l'arbitre sud-africain de ce match. Il a redonné introduction à la Nouvelle-Zélande. Puisque la mêlée a été écroulée, il ne faut pas aller au sol, restons debout. Ça me passe des choses dans cette mêlée. Beaucoup de vis, beaucoup de techniques. Il a rappelé alors Somerville. Marconnet qui touche la tête de Somerville, sympathique. Et on a bien récupéré avec Galtier sur introduction Black. Juillet accouche du ballon pour Magne. Il se met bien dans l'axe, la maison. On recule. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, intervention de M. Kaplan qui va donner la balle aux Français. Et avec son bras, il signale une position de hors-jeu d'un Black qui est venu percuter, en l'occurrence Black Adair, qui est venu percuter le. Porteur de ballon français, en l'occurrence au Magne. Regardez-le arriver. Boum. Voilà. Même s'il venait de l'arrière. Pris par la patrouille, Blackadder. Il avait laissé ce ballon libre pour les Français. Christophe Lamaison pour l'équipe de France. On va chercher la touche au-delà des 22 mètres. C'est fait. Le ballon sort à une quarantaine de mètres de notre ligne d'essai.
sur ce dégagement de Christophe Lamaison. Fabrice Landreau pour cette remise en jeu. Les Français ont réduit l'alignement. Bonny avec le soutien de Landreau. Petit pas, on reste lié, on fixe. Et là, on va mettre le jeu au pied, loin devant, par Lamaison. Rihanna en couverture pour récupérer cette balle qui sort dans l'embut. On occupe le terrain, on remet les Blacks chez eux. On le sait, toujours ralent pour un parti d'avant de reculer 50 mètres derrière. Attention, vite joué par Mertens. Renvoi 22 mètres. Mertens a raté son renvoi gêné par Magne. Il a vu Monsieur Kaplan. Et la même sa chaussure qui est partie 30 mètres plus loin, Andrew Mertens, plus loin que le ballon. Et il marche à côté de ses pompes en ce moment, c'est vrai, vous avez raison, Jean Bayou. Je serais ça Dorni, je lui marcherais sur la chaussure, ça peut éventuellement la déformer. Enfin, il n'a pas fait mal. Le brave Sado, toujours respectueux. La alors. Voilà la chaussure la plus chère du monde, car c'est la chaussure du meilleur buteur du monde. Elle en vaut de l'or celle-là, croyez-moi. C'est elle qui a marqué 9 pénalités contre la France samedi dernier au Stade de France, Thierry Lacroix, je vous le rappelle. Et là donc on va voir, c'est important, là. Ces phases de jeu, on ne pourra pas jouer 80 minutes à ce rythme-là, il y en aura un qui craquera à un moment donné. Et en fait il va falloir bien gérer les temps forts et temps faibles, vous en parlez. Et c'est l'équipe qui gérera au mieux ces temps-là qui gagnera ce soir. Puisque vous l'avez vu, les deux équipes ont des intentions offensives, ce qu'elles n'avaient pas eu la semaine passée. Et c'est celui qui gérera bien ces temps-là qui gagnera ce soir. Christophe Mauny, originaire de Nice, que vous venez de voir, et Fabrice Landreau, 32 ans. Sa première sélection, c'était il y a 3 semaines contre l'Australie. Ok, le PP du Quercy, en l'occurrence Alfred Roch, que je salue au passage, avait connu sa première sélection à 33 ans, lui. Mertens a récupéré sa chaussure et son coup de pied. Allez, renvoie-le, on quitte tout la maison à la relance. Il va rejouer au pied, par-dessus. Il faut remettre en jeu ses coéquipiers, ce qui est fait par Bernard Salle. Là, on peut monter maintenant. Kulen dans ses 22 mètres. Et contré par Dost. Oui, bien. Ah. Bien, Richard. Bon enchaînement de pelouse d'Oradou maintenant. Les Français ne sont plus qu'à 10 mètres. Il est en avant, Richard, il a contré, il a voulu réceptionner, récupérer la balle au sol. Et en récupérant la balle, il a fait en avant. Regardez, il va bien contrer sur ces images de Fred Baudard. Regardez, il contre bien Kulen. Et là, quand il va réceptionner la balle, vous voyez, hop. Mais ça et c'est un peu en arrière. Ils sont très présents dans le pressing. Il est bien organisé, bien présent. On colle au ballon. Non. Elle est fermée dans les 22 mètres néo-zélandais. Marshall pour l'introduction. Lié. Marshall pour Mertens. Longue diagonale, aura-t-il le rebond? Oui. Oh oui, là. Jean-Luc Sadurny n'a rien pu faire. Jean-Luc Sadurny, quel retour à 34 ans. Il croyait avoir fait son jubilé avec les Barbarians français. La seule équipe à avoir battu les Blacks depuis le début de cette tournée à Lens. Et on l'a rappelé. Et on l'a rappelé après le forfait de David Bory il y a 2 jours. Ce qui a provoqué le déplacement de Garbajosa à l'aile. Le vieux soldat est revenu. Old soldiers never die, disent les Britanniques. Les vieux soldats ne meurent jamais. Quelle pression là. De Bory sur Marshall. Récupérant. On va récupérer peut-être lancer en touche sur cette superbe pression de Bory sur Marshall. La balle est sortie en touche dans le camp de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Voilà, Mauny qui ceinture bien Marshall. Et là, regardez, ça c'est technique aussi. On le pousse vers la ligne de touche, on ferme l'angle. Et en même temps, si on peut le mettre en touche, on récupère la balle. C'est bien techniquement aussi de pousser le joueur vers la ligne de touche. Bien joué Mauny. Légèrement dans le camp néo-zélandais. Le capitaine de l'équipe de France, Fabien Pelouse, sollicite Fabrice Landreau pour se lancer en touche. Allez, Mauny encore. Oui, combinaison au Stade français. Ballon pour Galtier qui revient avec ses avants. Il est parti très vite sur la maison. Il a bien vu Fabien Galtier, alors il va les fixer. Voilà, il remet une couche au ras avec Pelouse. Il faut l'aider, il est tout seul. Une grosse défense des Néo-Zélandais là. Fermé. Garbajosa a sollicité le ballon face à Marshall. Galtier sur la ligne médiane. La maison. Allez Richard, il faut aller au saut. Oh, il va y aller Richard, il va y aller. Le ballon est pour les Bleus. Contrôle de Galtier, oh il y a le surnombre. Il y a quoi jouer, oui. Mauny
Regroupement tout près de la ligne des 22 de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et Galtier pour la maison. La maison qui essaie d'échapper au plaquage de Mertens. Plaqué sur les 22 mètres. Récupération du ballon par Cripp pour les All Blacks. Il a sifflé M. Kaplan. Et oui, on est hors jeu côté Black. Dès qu'on contrôle la balle côté français, on met les Blacks à la faute. Depuis le début, c'est comme ça. Ce n'est pas des surhommes aussi qui commettent des fautes à condition de contrôler la balle et de créer plusieurs phases de jeu. C'est le cas à l'heure actuelle de l'équipe de France. Et c'est une pénalité super bien placée face au poteau à 22 mètres pour toute la maison. Je vous rappelle le score, 10 points d'avance pour les Français. Ah, et vous remarquerez, Pierre, d'ailleurs, que dès qu'il y a un arrêt de jeu, eh bien, tous les Français réclament de l'eau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rythme dans ce match. Et là, ils sont pratiquement tous en train de se désaltérer. L'occasion pour toute la maison d'aggraver le score en faveur des Bleus sous le regard du capitaine All Black, Todd Blackadder. Et 20 points pour la France. France 20, Nouvelle-Zélande 7. Bien équilibré. Regard sur le ballon. Frappe intérieure du pied. C'est du tout droit. Superbe attitude de la maison. Ah, on a varié côté Black. Renvoi court. Récupéré par Magne. On est présent dans les airs. On a tous les ballons ce soir. Voilà où la différence aussi. Galtier, oui, pour la maison. Il y avait un bon coup à jouer. On va chercher, comme le veut la porte, jouer dans le camp opposé. Kullen. C'est un peu loin dans les bras de la maison qui va remonter en croisé. Voilà, avec Magne. Il faut retrouver la structure, Olivier. Oh, c'est du grand Magne. C'est fait. Ce soir, prochain intérieur. On est hors jeu côté Black. Black derrière, oui, s'est fait prendre une fois de plus par la patrouille. Ils sont très pénalisés, les Blacks, ce soir. Ça veut dire qu'ils sont sous la pression et qu'ils perdent un peu leur rugby. Tant mieux. Sur du jeu approximatif de Kullen, c'est un joueur talentueux, mais dès qu'on lui ferme les espaces et qu'il doit jouer au pied, il tape n'importe où et c'est de super ballons de relance côté français où nous, on contrôle la balle. Là, des Magne qui va crocheter intérieur. Voilà, il est passé, il a fait le plus dur, il a passé le premier rideau. Et là, quand on joue dans leur dos, eh bien, on les met à la faute. Et le jeu ne demande que faute, donc jouons. Eh oui, gardons les ballons, jouons ces Blacks. Si on ne joue pas, on ne créera pas de faute chez l'adversaire et on ne marquera pas de points. Blackadder, le coupable. Mais c'est de la partie, maison, ça passe. Le bourreau. Ça passe, 3 points de plus, sans faute de Titou la maison, le buteur français. Qui se hisse au niveau de Mertens. France 23, Nouvelle-Zélande 7, c'est bon ça. On avait laissé Maxwell tout seul, heureusement que Garbajosa a sauté sur le côté opposé. On n'était pas venu et on est fait en avance côté français. Magne encore, on a fait en avance, c'est dommage. On avait laissé Maxwell tout seul vers Garbajosa, on était allé se placer au côté opposé. Et heureusement que Garba de la détente. Allez, belle charge de combat sur Maxwell avec l'Ambro. Cette mêlée dans le camp des Bleus. Marshall a fait l'introduction. Cripp récupère pour Marshall. Mertens maintenant, combinaison avec Umaga qui a il est passé, il a rafuté. En premier attaquant qui libère la balle. Quelle passe. Oui, oui, il a bien libéré pour Rihanna. Plaqué dans les 22 mètres de l'équipe de France. Le ballon est toujours pour les Blacks. Marshall pour Mertens. Oliver. Mertens pour Oliver. Les Français se sont replacés en défense. C'est un mur bleu qui affronte les Blacks maintenant. On va récupérer la balle sur... Oui, on est hors jeu côté français. Attention, ça profite, ça continue. Gibson. Marshall. Oliver. C'est la ligne des 22 mètres de Nouvelle-Zélande que vous voyez. Marshall a sollicité encore du soutien avec ses avants. Marshall. Robertson a pu servir Marshall à nouveau. Rafu, Umaga, attention, il est dangereux ouais, celui-là. Il est bien plaqué par Landro, il est mis au sol immédiatement. On revient à la faute, on est hors jeu côté français, on n'a pas profité au Black. Mais quelle passe d'Umaga après le Rafu.
au moment d'être pris, avant de tomber au sol, il a fait une passe d'une main, de 5-6 mètres. Oumaga pour la deuxième fois dans le rôle de trois quarts centre dans cette équipe de Nouvelle-Zélande, alors que M. Kaplan accorde une pénalité aux Néo-Zélandais que va tenter Andrew Mertens. On a le droit de se servir des pieds, regardez, sur le ballon, ce que fait le Black, puisque le bras français est venu, notamment Radu, bloquer cette balle. Ça, c'est permis dans le rugby, à condition qu'on joue le ballon. D'ailleurs, Richard Bourque a laissé un petit peu de l'arcade là sur l'action. C'est pas grave, un peu de saignement. Mertens. Plus on le siffle, plus il se concentre. Et ça perturbe pas un buteur de la trempe de Mertens. 3 points pour les Blacks, marqués donc par le buteur Mertens. Oui, alors qu'il y a un saignement côté français, c'est Richard Dourte qui va sortir pour se faire soigner. Et c'est un autre Dourte, il ne s'attendait pas par effet il y a 48 heures. Mathieu Dourte donne un premier changement temporaire pour l'équipe de France. Ah, c'est extraordinaire ce qui arrive à Mathieu Dourte, l'homonyme de Richard, alors qu'ils ne sont pas du tout de la même famille, bien qu'ils soient d'Aquois tous les deux. C'est extraordinaire ce qui arrive à Mathieu Dourte. Il a été appelé en toute dernière minute. C'est Souverbi d'ailleurs qui avait été choisi dans un premier temps, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas pu trouvé. Le joindre. Pas trouvé, oui. Il avait. Bah, peut-être que les piles de son portable n'étaient pas là. Et en tout cas, c'est Mathieu Dourte qui se retrouve international à cet instant précis contre le All Black de Nouvelle-Zélande. Tout arrive. Mathieu Dourte qui est passé à l'aile gauche et du coup, Xavier Garbajosa est allé se positionner comme trois quarts centre. Il vaut mieux le mettre à l'aile quand on rentre, on ne pourra pas prendre de risque et le mettre au milieu de terrain. Puisqu'on cherche avant tout le milieu de terrain maintenant dans l'ère du rugby moderne, puisqu'on a deux côtés d'attaque. Allez, Sadourny à la relance, il aime, c'est une partie des meilleurs relanceurs du monde. Grande chandelle, on occupe le terrain. Mertens, longue passe sur Culen, il a des pattes Culen, longue passe, bien pris par Garbajosa. Ou crochet de Rollet. Plaqué par Moni. Le ballon est récupéré par les Blacks. Non, c'est les Blacks, j'ai peur. Je crois que ce soit les Blacks, Thierry. Chamaille. Et Black Kader, il a. Remarquez, vous avez eu les mains qu'il a, Black Kader, il a les mains de Spanghero. Ah, c'est des gants de baseball. Lequel, Spanghero? Vous pouvez mettre toute la famille, c'est tous fait sur le même modèle, Jean. Rihanna, le faux frère. Super tranchée, bien pris par Moni. En avant, sur le plaquage de Moni. Plaquage haut, au niveau des bras, pour bloquer la balle, bien joué. Mais les cavards, ce côté français, le bon départ de Juillet. Superbe Juillet. Il est entré dans les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Enchaînement de main maintenant pour les Bleus. Quand Galtier. Quand on les voit, c'est que le 5 de 20e bord. Garbajosa au contact. Il vient défier les Blacks. Et on renverse dans le fermé encore. Bien joué à la maison. Sur un pas. Pelouse. Ballon volé. Toujours contrôlé par les Bleus. Galtier. Longue passe pour Sadourny qui échappe la balle. Oui. Récupération Gibson, attention à la contre-attaque. Néo-Zélandaise, il y a des intervalles dans la défense française. Où la passe après le plaquage de Somerville. Il y a du surnombre. Oui, il y a Mathieu Dourte, mais il y a des cannes. Et c'est qu'un boulevard devant lui qui va marquer. Et oui. La contre-attaque était meurtrière. Les Français n'étaient pas suffisamment bien replacés. Et Rollet nous assassine. Ils ne sont pas cuits les Blacks. Attention, regardez, Somerville. Après plaquage, hop, passe superbe. L'action peut vivre, le ballon est vivant. On peut mettre du mouvement, on dynamise la balle. Et là, le surnombre, il fera des places sur un pas de Black Adair. Gibson, on fixe bien là les cannes. Fabien Galtier ne peut pas récupérer l'ailier Rollet. S'il joue à l'aile, c'est parce qu'il va vite. Deuxième essai néo-zélandais. Deux essais pour la France, deux essais pour la Nouvelle-Zélande, quatre essais depuis le coup d'envoi de ce match. C'est Rollet, il avait marqué le premier essai des Blacks au Stade de France, il récidive. C'est l'une des toutes dernières trouvailles des Blacks. Et après la transformation, Richard Dourte va reprendre sa place dans le jeu. Alors qu'on soigne Somerville. Mertens pour la tentative de transformation. Voilà, elle avait visé les drapeaux catalans. Rouge et jaune au fond, là-bas vous avez vu. Et la balle passe, deux points de plus. Les Blacks reviennent dans le match. Ah, dès qu'on leur laisse des espaces, c'est les Blacks qui savent les utiliser. C'était encore un ballon français que l'on a perdu. Et ça, on le sait, les Blacks, les meilleurs ballons dans le rugby, on ne vous le répétera jamais assez, sont des ballons que l'on perd, récupérés par l'adversaire.
parce qu'on peut déstabiliser une équipe qui était placée pour attaquer, pas pour défendre. Et ça, les Blacks, ils savent le faire. Nous savons aussi le faire. Les Néo-Zélandais reviennent à 6 points de l'équipe de France, tandis qu'est revenu sur la pelouse le vrai Dourte du Stade Vélodrome. Si Dourte, le fils de Claude. De Claude. International lui aussi. Même esprit des guerriers. Mais il a le cuir dur. Hein. Comme le père. Comme Norbert. Allez, renvoi long, on a bien alterné. On avait fait des renvois courts, maintenant long, c'est bien alterné. On va voir comment ils vont réagir. Derrière Mertens. Bon, pied. Il va trouver le brave Sadourny. Jean-Luc. Et il a la crochetée, Jean-Luc. Oui, superbe. Oui. Et il met le feu, Sadourny. Mêlée ouverte, enchaînement de Landreau pour les Bleus. Galtier au large. Sollicité, Juillet, puis Devilliers, Dourte maintenant qui met la balle au sol. Galtier, la maison. La belle croisée, passe Chistera pour combat, la lutte. Et pour les Parmonies. Galtier, la maison Pelousse. Il a fixé un rideau qui était latéral, il faut les resserrer, ce qui est fait par Pelousse. Galtier, sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Les Bleus contrôlent toujours la balle, passe au pied de Christophe Lamaison à la réception. Il y a Cullen derrière des All Blacks. Rihanna, le successeur de Lomu. Bien pris par Magne. Marshall pour Mertens. Mertens au large pour Howlett qui s'était fait oublier. Face à lui, il y a Garbajosa, il se débarrasse du ballon Howlett. Il a dévissé, comme on dit, pris le ballon trop sur l'extérieur du pied, il veut taper loin et c'est un ballon qui va sortir à 22 mètres, regardez la passe Chistera, croisé pour combat. Et là, le coup de pied dévissé de Howlett. Il faut remarquer côté français, on est sur la pente un petit peu ascendante côté Black puisqu'on vient de marquer un essai. Refaisons douter ces Blacks. Depuis le coup d'envoi de ce match, ce sont les Bleus qui mènent au score. Ce sont les Blacks qui courent après le score. Maxwell. Le deuxième ligne néo-zélandais qui attend ce lancer de Landreau qui s'impatiente. Oradou qui recule. Oui, superbe prise de balle de Oradou. Là, on est en fond, on peut fixer la troisième ligne adverse. Regardez ce qui est fait. On peut avancer, la tortue est présente, on avance. Oh, ballon tombé. Non, on récupère. Pénalité. Oui, on a écroulé le mol côté Black. Bien vu, monsieur Kaplan. On est bien organisé, là, on est bien serré. Les bras, tous les bras sont sur les ballons et là, on écrase. Oui. Sous la pression, les Blacks se sont mises à la faute. Effondre le mol qui avançait côté français, c'est une bonne pénalité pour qui tout la maison. C'est bien alterné en touche, lancer court, il faut le dire, c'est surtout défensif. On ne peut pas jouer un ballon dynamique sur les trois quarts sur un lancer court au premier sauteur. Il faut s'organiser autour, fixer et après on joue derrière. Par contre, les lancers au fond, on fixe la troisième ligne et là, c'est de bons ballons pour les trois quarts puisqu'on peut jouer 10 face à son 10. Et surtout pas confondre vitesse et précipitation, comme me le rappelle souvent Alexandre Boyon, ce n'est pas la queue qui a le chien. Les premiers changements définitifs cette fois côté néo-zélandais avec la sortie de Greg Somerville, le pilier droit, il est remplacé par 17 Gordon Slater. Bon poulet aussi de Taranaki Slater. C'est bien nourri là-bas aussi. Oui. C'est tout la maison. Pour cette pénalité qui passe, 3 points de plus et sans faute pour le buteur de l'équipe de France. Les Bleus maintenant qui mènent par 26-17. Alors on va donner un petit conseil au buteur, aux jeunes, n'essayez pas, vous voyez la maison, c'est cool, c'est relax. Regardez, Somerville, il a été exécuté par Marconnet. Et dans quel état il est le pilier néo-zélandais, c'est vous dire la performance du pilier français ce soir. Ça me passe en première ligne, c'est vrai. Fabien Pelousse, le capitaine derrière lui, Pieter de Villiers, le pilier droit de l'équipe de France. Allez, Mertens, ou renvoie encore au cours, fera-t-il 10 mètres? On l'a joué côté français. Allez, récupération Pelousse, il va à l'intervalle. Intérieur, Juillet, qui s'attendait pas trop. Oula, ballon récupéré côté français. Galtier, il faut jouer au pied, ce qui est fait, voilà. Il l'a vu, Lely avancer, tape dans le dos. Howlett récupère cette balle pour les Néo-Zélandais, tape loin devant, en couverture là, il y a Titou la maison dans ses 22 mètres. Ouh, le beau coup de pied de la maison.
plaquage à retardement, ça sera une pénalité au point de chute. Si monsieur Henning le veut, mais non. Monsieur, de touche, oui. Monsieur Kaplan aurait pu considérer effectivement que Ouellet n'avait pas freiné sa course. Regardez, alors qu'il a tapé tout la maison, et là Ouellet vient le percuter. Oliver pour la remise en jeu sur la ligne médiane. Thorne a détourné. Récupération du ballon. Blackadder, le capitaine des Néo-Zélandais. Oliver. Son père a été deuxième ligne des Blacks aussi, est à l'honneur. Robertson, il a du jus, Robertson. Il est seul. Mais il est seul. Robertson. Il est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il faut se replacer en défense, les Bleus. Il y a danger. C'est une marée noire qui nous arrive. Il faut mettre la grande bleue. Il faut tirer le rideau. Hein. Alors, il faut vite occuper la largeur. Ce qui est fait côté français, on est bien monté. Mertens face à Moni. Oui, mauvaise passe de Mertens. Rihanna est obligé de revenir sur lui-même. Plaqué par deux joueurs, dont Bernard Sall. Quib maintenant. Il a échappé au plaquage. Essaye de marquer, attention. Oh, il y a Quib. Oh, il y a du monde. Essaie. Et il y a surtout Slater, le pilier néo-zélandais. A-t-il marqué? Oui. Et oui, dans le mouvement, on peut marquer à condition que le ballon, s'il touche le sol, continue avec le mouvement. S'il touche le sol, qu'il s'arrête et qu'on repart, là, il y a pénalité. Mais dans le mouvement, effectivement, le numéro 7 néo-zélandais, Robertson, marque l'essai. Alors que Maga a fait le plus dur, elle a passé les bras après. Regardez, deux joueurs français qui le plaquent. Et là, tout puissant qu'il est, Slater, qui marque l'essai. C'est un troisième essai néo-zélandais qui tombe sur les Bleus comme un coup de massue juste avant le repos. Oui, une équipe de France qui était d'ailleurs réduite à 14 sur cette action, car sur la ligne médiane, c'est le capitaine Fabien Pelous qui souffre terriblement. Il a beaucoup, beaucoup de mal à récupérer. Du coup, Olivier Brouzet est allé s'échauffer. France 26, Nouvelle-Zélande 22, tentative de transformation au coin. Mertens pour les Blacks. C'est difficile, mais c'est le meilleur buteur du monde que vous voyez en ce moment. Il est donc capable. Il est capable, regardez. Et il le fait. Deux points de plus. Et voilà, juste avant le repos, les Blacks qui reviennent à deux points de l'équipe de France. Mertens, c'est comme la maison. C'est relax, c'est cool à la frappe. Et je disais aux jeunes, n'essayez pas de taper à 40 ou à 35 mètres. On tape à 40 comme à 20, comme à 5 mètres des poteaux. Il faut toujours ne pas forcer son coup de pied, laisser faire. La force viendra avec le temps. Les Néo-Zélandais ont entamé une course-poursuite. Et ils sont en train de revenir dans ce match, juste avant le repos. Titou la maison pour la remise en jeu. On peut lutter sur ce renvoi en touche, prise de Maxwell. C'est lui ce qu'a fait Maxwell. Techniquement, c'est parfait. Et là, on va rejouer classique avec dans l'axe Mertens qui va chercher l'angle opposé. Le rebond favorable sera pour Sadourny. Qui est dans ses 22 mètres. Qui attend Ouellet et qui dégage en touche. Il envoie le ballon qui sera à hauteur de la ligne médiane. C'est la mi-temps d'ailleurs. Sifflé par Monsieur Kaplan. C'est donc la mi-temps. Avantage à l'équipe de France. Avantage de 2 points. 26 à 24 pour les Bleus, qui ont toujours mené au score dans cette première période de ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande ici à Marseille. Xavier Garbajosa en compagnie de Jean Abeillou. Oui, Xavier Garbajosa qui a allumé un petit peu ce stade Vélodrome. Malgré tout, vous êtes aperçu qu'à 17-0, eh bien, les Blacks, ils ne sont pas sommés. C'est un match foufou qu'on joue là. Ouais, c'est un match foufou, mais bon, on fait des erreurs. On manque les plaquages et eux s'engouffrent dans notre défense. Ils jouent dans notre dos. Ça leur permet de trouver du soutien et de marquer les essais. Je crois qu'on a fait un bon début de match, un peu sur les chapeaux de roue. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Il faut continuer à progresser chez eux, prendre des points au pied quand il le faut. Et il faut continuer. Merci Xavier, on vous laisse surtout aller récupérer votre souffle, vous avez entendu. Le discours est un peu haché, on le comprend. Ils se sont donné les Bleus, Pierre. Oui, il faut continuer. En tout cas, deux points d'avance, c'est toujours ça. C'est de bon augure pour cette deuxième période que nous attendons tous avec impatience. C'est l'heure du repos pour les Blacks comme pour les Français. Pour vous, restez avec nous car vous allez maintenant savoir tout sur la météo de demain. Et puis on se retrouve pour la deuxième période. A tout à l'heure. Vous êtes de retour
à Marseille. C'est bientôt la deuxième période du match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, c'est le repos des guerriers. Thierry Lacroix, ils l'ont bien mérité. En attendant, nous, on va se faire plaisir et revoir les essais qui ont été marqués au cours de cette fameuse première mi-temps. Garbajosa qui tape par-dessus Mertens. C'est individuel, mais c'est magnifique. Après un cadrage des bords, il va en terre promise une belle croisée de la maison avec Oradou, puisque les Blacks étaient en ligne. Et là, l'intervalle est créé. Passora pour Magne. Et Magne, les Cannes, le TGV Montferrandais qui va en terre promise et qui salue son public. À ce moment-là, la France mène 14 à 0. Et là, les Blacks, eh bien, c'est toujours les Blacks. Un bon ballon perdu côté français. Et là, Howlett, il crochette Galtier pour donner à Marshall. La rescousse française est trop tardive. C'est laissé Black imparable. La longue passe, regardez, ballon perdu une fois de plus par les Français. Et c'est la relance Black qui se met en jeu, en marche. Somerville qui échappe, qui donne un ballon fabuleux après avoir eu deux Français sur le rable. Et le côté fermé, eux aussi l'utilisent bien. C'est Gala Blackadier qui donne sur un pas, Gibson. Et les cannes de notre ami Howlett qui va en terre promise. Galtier ne peut rien. Ça a été surtout une mi-temps où chaque équipe a su utiliser les moments forts et faibles de l'adversaire. La longue passe, ballon qui est toujours contrôlé par les Blacks. Ray Hanna qui contrôle, qui fait des passes. Grib qui échappe au plaquage de Dourte, qui donne intérieur à Oumaga. Et Oumaga aussi avec deux plaquages français, qui donne à Slater en terre promise. Et c'est de plus Black. Juste avant le coup d'envoi de cette deuxième période, Jean Beillou avec Bernard Laporte pour le point. Oui, qui est en train de discuter d'ailleurs Bernard Laporte du coaching, parce que vous savez qu'il va intervenir au bout d'une heure de jeu, notamment avec Califano, Brousé et Azam. Il est en train de parler à Victor Boffelli. Bernard Laporte, quelles ont été les consignes par rapport à ce que vous avez vu en première période? Je crois qu'il faut essayer de faire la même entame que nous avons faite durant cette première période. N'oublions pas que samedi dernier, on se voyait bon à la mi-temps et on l'a perdu sur les 10 premières minutes en début de deuxième mi-temps. Donc je leur ai dit, on l'a payé une fois les mecs. Même si vous êtes fatigués, il faut se remobiliser, retrouver ce pressing défensif qui a fait notre force pendant 20 minutes. Allez, merci Bernard. Il est pressé, il est très tendu comme les joueurs et il a envie de gagner. C'est Andrew Mertens, le demi d'ouverture de l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période ici au Stade Vélodrome de Marseille. Alors que je vous rappelle le score. Après 40 minutes de jeu, c'est l'équipe de France qui mène au score devant les Blacks, 26 à 24. Fabien Pelousse, le capitaine des Bleus. Et Mertens pour le coup d'envoi. C'est parti. Galtier à la réception dans les 22 mètres de l'équipe de France. Magne en position de demi de mêlée qui sert la maison. Crib, le troisième ligne centre en couverture pour les Blacks, qui franchit la ligne médiane, va s'isoler au milieu de trois bleus. La balle est quand même libérée pour les Blacks. Et on renverse dans le fermé comme on avait fait côté français, il y a du surnombre. Blackadier qui prend l'intervalle. Plaqué dans les 22 mètres par un Français, deux Français. La balle est toujours pour les Blacks. Robertson passe au pied. Oh, il perd le ballon, Robertson. Récupéré par Garbajosa cette balle. Et oui, c'est une pénalité pour position de hors-jeu de toute la ligne française. Alors que, bien évidemment, l'initiative était All Black. Vous l'avez vu. On joue beaucoup le côté fermé après une fixation côté Black. On fait de même côté français. Pourquoi le côté fermé? Parce qu'on le laisse beaucoup libre de part et d'autre et qu'on suit le ballon dans le grand côté, délaissant ce petit côté qui, c'est vrai, ne demande pas beaucoup de joueurs. Et bien chaque équipe l'utilise au mieux. C'est un cadeau offert aux Néo-Zélandais parce que c'est l'occasion pour Mertens, le buteur All Black, de donner l'avantage pour la première fois depuis le coup d'envoi à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et c'est ce que craignait Bernard Laporte, ce début de deuxième mi-temps qui avait coûté cher aux Français. Et bien pour l'instant, souhaitons qu'il ne coûte pas trop cher, ce n'est juste une pénalité qui devrait être réussie par le buteur Mertens, puisque placé face au bar, pour lui c'est de la rigolade. Landreau tourne le dos à Mertens et regarde les barres. Il ne veut pas voir ça, le talonneur de l'équipe de France. C'est fait, 3 points de plus pour les Blacks qui passent en tête à cet instant précis. Nouvelle-Zélande 27. Pénalité réussie par le numéro 10, Andrew Mertens. Ils ont fait le retard, les Néo-Zélandais. Et on a, côté français,
séparer les avants d'un côté et de l'autre pour essayer justement sûrement de taper loin, de monter en ligne. Les Blacks ont été menés de 17 points en première période. Ils mènent d'un point maintenant au début de cette deuxième période. Récupération Marshall, oui, pour Quib. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande que vous voyez là. Alors que Marshall vient de servir Umaga. Umaga qui n'a pas de pied, gêné qu'il était par ce ballon. C'est un bon crocheteur, un bon joueur, mais au jeu au pied est déficient. Umaga qui avait marqué 3 essais contre la France à Wellington en 99 lors de la débâcle française. La dernière débâcle contre les Blacks. Allez, on est bien revenu dans le camp All Black, c'est bien. On sait qu'eux cherchent à vite revenir dans le camp de l'adversaire quand ils ont marqué pour remettre la pression. Et là, c'est bien, c'est nous qui leur mettons. Landreau pour la remise en jeu. Pelouse détourne. Galtier, oui, pour l'équipe de France. Il faut les fixer au rail, ils se sont détachés, le rideau noir. Voilà ce qui fait les Landreau omniprésents encore aujourd'hui. Galtier, la maison. Dourtora. Oui, il est passé, donc. Elle est récupérée par Pelouse. Ça joue, ça peut jouer. De Villiers. De Villiers qui a servi Landreau. Landreau qui rentre dans les 22 mètres néo-zélandais. Côté fermé, français. La maison passe sauter pour Combat. Oh, ça le fait, ça. Combat libère sa balle. Les Français dans les 22 mètres néo-zélandais. Faut pas perdre le ballon, les Bleus. C'est perdu. Marshall. Et Marshall a vu que Bernard Sall était au regroupement, a tapé dans le dos. C'est bien vu aussi. Mais Garbajuda est en couverture. A tapé loin devant. Il faut monter. Il faut mettre tout le monde en jeu, ce qui est fait par Bernard Sall. Mertens. C'est Pirazan, oui. Ah, lui, il sait les taper, ceux-là. Eh oui, Jean-Luc Sadourny arrive trop tard, n'arrive pas à contrôler cette balle qui se rend toujours le camp français. On l'a dit, il sera important de gérer les moments forts, les moments faibles. Et là, les Blacks, dans le jeu au pied notamment, ils sont plus précis que nous. Jean-Luc Sadourny, c'est lui qui a marqué l'essai du bout du monde lors de la victoire historique à Auckland. En 94, la deuxième victoire après le succès dans le premier test à Christchurch. La victoire historique, c'est vrai. On ne dira jamais assez combien ça a été un exploit de la part de l'équipe de Berbizier. Ouh, la belle charge de Landreau, boum, sur Mertens. Quel caramel il a pris, le père Mertens. Il faut aller le chercher, c'est pas un grand plaqueur. Et là, on renverse dans le fermé, la maison. Passe sauter pour Sandro Di Capri, le trou. Plaqué à hauteur de la ligne médiane, Pelouse. Le ballon est relayé par Pelouse, le capitaine des Bleus. Galtier, le petit par-dessus avait marché en Coupe du Monde. La balle se retouche à hauteur des 22 néo-zélandais. Oula, oui, parce que Howlett n'est pas content que Garba l'ait poussé dans les balustrades alors qu'il était sorti de l'aire de jeu. Les esprits s'échauffent. C'est chaud. Rien de méchant. On a un petit problème de langage entre le français et le All Black. Monsieur Henning, le juge de touche sud-africain, va parler à Monsieur Kaplan. Il contrôle bien ce match, Monsieur Kaplan, c'est important, on le répète jamais assez, les arbitres, de contrôler le match. Il le contrôle bien pour l'instant et à 3, répétons-le. Regardez, vous allez voir la pression de Garbajosa. Et là, Oulette, il est sorti. Garbajosa qui lui, hop, le pousse dans les balustrades. Oui, et là, normalement, on devrait avoir pénalité contre nous. Il y a Peter de Villiers qui est venu prêter main forte à Pelouse. The touchline. The ball is already out, and he still pushed the man after the ball's out. So it's a penalty against France, and you can just have a word with that. Pénalité contre la France. Oui, par rapport au geste, oui, on l'a répété, le geste de Garbajosa. Peter de Villiers, le pilier sud-africain de l'équipe de France, a fait la traduction. Mais je crois que Fabien Pelouse, malheureusement, avait compris, même avant le discours de M. Kaplan, que les Français allaient se faire sanctionner. Ne commençons pas à commettre des petites fautes comme celle-là, qui, on le sait après, à s'additionnant, coûte cher aux Français. Ça donne l'occasion pour les Blacks de trouver cette touche dans le camp de l'équipe de France. Un peu d'avance pour les Néo-Zélandais. Réduit la touche côté Black, belle prise de Maxwell. On fixe bien l'avançant et là on va libérer en avançant ce ballon côté Black. Mais d'abord on fixe, voilà, et là on a libéré. Oliver pour l'équipe de Nouvelle-Zélande qui met la balle au sol. Marshall pour Mertens. Sauter, Mertens sur pour Umaga. Umaga, sauté Cullen, mauvais contrôle de Rehanak. Et finalement c'est Philippe Bernard Sall qui arrive lancé pour dégager en touche.
alors qu'on avait un tacle de Robertson. Regardez, il va pousser, le ballon en dehors. Comme un footballeur, si cher à Jean-Louis. Touche réduite par les Néo-Zélandais. Lancé d'Oliver. Ballon contrôlé par Moni Faute. Sanctionné par M. Kaplan contre les Français. Et il estime que Fabrice Landreau a poussé le sauteur All Black, numéro 2. C'est pour ça qu'il n'a pas pu contrôler cette balle. Et c'est une faute. Regardez Landreau. Voilà, regardez le bras. Hop, il a touché le sauteur Black. Et c'est une pénalité bien placée. Ouais. Deux fautes consécutives côté français. Et regardez, on était dans les 22 mètres Black et on se retrouve à 40 mètres. Et une opportunité de Mertens d'aggraver le score. Et si les Bleus n'arrivent pas à contrôler cela, cette discipline-là, ils ne gagneront jamais devant les Blacks. Il faut le savoir. Ce qui avait fait gagner en 94, cette discipline, on avait bien canalisé, on avait été fort là-dessus. Et face à cet hémisphère sud, c'est là que tout se passe. En plus, quand on amène le savoir-faire qu'ils ont aujourd'hui. Mertens, la mitraillette. Coup de pied rasant, tendu. Où ça ne passe pas. Eh bien, c'est un échec. Mais il faut s'en souvenir. Hein. C'est un avertissement sans frais, par conséquent, pour les Bleus. Donc, oui, il n'en manquera pas beaucoup, Mertens, comme celle-là. Avertissement sans frais, vous l'avez dit, Pierre. Elle quitte tout la maison. C'est un avertissement tout de même. Et le public a senti justement que l'équipe de France avait besoin de son soutien. Renvoie long, c'est bien. On sort de chez soi et là on monte bien en ligne côté français. Mertens pour les Blacks. Up and under. Dans le ciel marseillais. Ça dournit, ça Saint-Culaine qui récupère la balle. Les Blacks dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est Black Yader qui charge comme un taureau. Marshall pour Mertens. Mertens a sauté, il a trouvé Thorne là-bas. Heureusement que Magne était monté en pointe pour couper l'extérieur. Il y avait un 3 contre 2, 3 Blacks contre 2 Français. Et Magne, très avisé, a coupé la trajectoire et a pris le joueur avec ballon, l'empêchant de transmettre sur un pas. En l'occurrence, c'était Richard Dourte d'ailleurs. Bien joué Richard, il a sauvé l'essai. Oui, le match est arrêté. La maison se plaint du genou du tibia. Parce que Christophe, la maison sollicite l'aide du docteur Thierry Hermerel. Et deuxième changement du côté des Néo-Zélandais, c'est l'ancien capitaine des Blacks, Tane Randall, qui va rentrer à la place du troisième ligne numéro 6, Thorne. Randall, oui, il était le capitaine des Blacks en Coupe du Monde, c'est le capitaine de l'équipe battue par la France en demi-finale. Il a perdu sa place de titulaire et par conséquent capitaine depuis. Il fait banquette. Le voilà qui revient dans cette seconde période. Ensuite, on ne le présente plus. Il a du talent celui-là encore. Oui, ensuite c'est le coaching annoncé par Bernard Laporte qui va se mettre en place avec seulement deux changements dans l'immédiat. C'est Christian Califano qui va remplacer Sylvain Marconi. Il va donc jouer à droite. Oui. Le Provençal Califano, si je puis dire. Alors que David Oradou va céder sa place à Olivier Brouzet, numéro 18. Alors Randall est rentré, suit Califano et Brouzé. Califano, il les a battus les Blacks, hein. Il les a battus justement en 94, il les a battus en 95 à Toulouse. Il débutait en plus en 94. Oui, et quel début. Oh que oui. Remise en jeu, Landreau pour l'équipe de France. Sous la pression les Noirs. Aïe aïe aïe, attention, on est hors jeu côté français. Le geste à gauche de monsieur Kaplan. On n'arrive plus à trouver nos sauteurs, on commet des fautes, on retombe dans les petits péchés. Attention, côté français, resserrons tout ça, revenons à des bases pour éviter de se faire punir. Et pendant ce temps, Mertens, dans le rôle de chef d'orchestre, est en train d'orchestrer cette deuxième période des Blacks qui s'annonce mal pour nous. C'est l'entrée de Califano et d'Olivier Brouzé. Du 109 chez les Bleus. Changement pour le 15 de France. Ça touche tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. L'équipe de France qui est menée d'un point. Changement pour le 15 de France. Dans l'alignement, c'est Mie Brouzé qui joue à Northampton en Angleterre.
Et on travaille en des tactiques côté Black. Vous avez vu, on a reculé toute la ligne pour libérer le couloir pour Blackadder qui a réceptionné la balle au-delà des 100 mètres. Il faut que le ballon fasse 100 mètres sur lancé en touche. Et là, mauvaise passe pour Oliver. Allez, on les a bien pris sur la mêlée, vite joué par bras cassé par Galtier. On ne peut pas taper en touche sur un bras cassé directement. Donc, il faut une passe ou alors il faut jouer, voilà, une passe de Galtier dans les 22 mètres pour la maison. Sinon, il faut jouer. Fabien Galtier, il est en équipe de France depuis 91, vient de donner cette balle à la maison qui tape une chandelle de récupération. Dourte. Se précipite Dourte, mais ne contrôle pas la balle. C'est les Noirs finalement qui la négocient cette balle. Mertens, coup de pied rasan, qui essaie de surprendre Garbajosa à la maison et Sadourny, mais finalement Jean-Luc Sadourny était là. Il trouve une petite touche au-delà de ses 22 mètres à l'arrière de l'équipe de France. Oui, Mertens qui dose ses coups de pied, longue diagonale, petit par-dessus quand il voit Bernat Sall avancer, mais toujours l'objectif c'est de laisser le ballon dans l'air de jeu pour le récupérer par la suite. Jean-Luc Sadourny, dernier rescapé de la Coupe du Monde 91 avec Galtier dans cette équipe de France. Prise de balle brousée, mais il y a eu faute. Oui, il y a eu faute. Oui, ça y est, ça recommence. Revoyons au ralenti, je pense qu'il a mis le corps en écran au moment où justement le joueur néo-zélandais prenait son élan, vous êtes l'empêchant de sauter. Vous êtes sûr Thierry, regardez. Voilà, vous allez voir, il était au niveau de l'épaule, regardez, le bras gauche, ouais. Il a poussé, c'était juste avant ça. Ça recommence, le cochon et le maïs, les Français perdent leur discipline. Et c'est surtout trois fois, trois pénalités faciles qu'on donne aux Blacks. Un mauvais geste, ou si on peut appeler ça un mauvais geste, de Garba. Et après, deux fautes de jeu. Et c'est Mertens, bien placé. Belle vue des poteaux. Vous voyez le ballon qui traverse. Oui, ça passe. Trois points de plus offert à Mertens. Et aux Néo-Zélandais qui prennent maintenant l'avantage par 20, par 30 points, je veux dire. Par 30 points à 26. Ils ne sont jamais aussi forts les Blacks quand ils mènent. Oui. Il serait bon que le public pousse nos Français. On a besoin de retrouver l'enthousiasme du début de partie. En attendant, lentement mais sûrement, les hommes de Blackadder là sont en train de renverser la tendance. Et c'est aux Français maintenant de courir après le score. Galtier pour la maison. Dourte sollicité à libérer cette balle pour Galtier. Oh, quelle pression vient de se prendre la maison là. Il y avait du noir peut-être. Et en avant peut-être. En avant entre Galtier et la maison. On était très latéral et pas assez en profondeur pour jouer au pied. Pas assez à plat pour attaquer cette ligne Black. Si attaque était prévenue. Richard Dourte a été touché sur l'action. Et les Français n'arrivent pas à se sortir de ce premier mauvais quart d'heure de la deuxième période. On est beaucoup moins disponible dans le jeu, notamment au niveau du paquet d'avant, où on fixe pas ces blagues comme on le faisait en début de partie, avec un jeu autour de Galtier et la maison pour fixer. Après, on se libérait des espaces plus larges. Et là, le soutien justement de cette réserve de joueurs n'existe plus et oblige la maison à jouer en croisée avec Dourte sans soutien. On ne déploie pas la balle, donc on n'amène pas assez de Blacks au contact. Et les Blacks, ils attendent, ils disent messieurs jouez. On est en surnombre défensif. Ah voilà le public qui se réveille. Oh qu'il est bon ce public marseillais qui entame une holla maintenant dans le stade Vélodrome. C'est lui le 16e homme qu'attendait le 15 de France. Et il joue son rôle en ce moment et c'est le bon moment. Les Français ont besoin de ce soutien. Bon côté Juillet fermé, oui. Galtier, immédiatement plaqué, libère pour Brouzet. Les Français qui progressent, qui s'approchent des 22 mètres néo-zélandais. Galtier serre la maison, sollicité Moni. Qui n'est pas plaqué, pas tenu, qui libère cette balle pour Galtier. Galtier pour la maison. Charge de pelouse sur les 22 mètres néo-zélandais. Fermé, la maison. Sollicite la balle sur l'aile. Moni pour l'équipe de France. Attention, il y a une explication entre Magne et Maxwell. Oui, mais le jeu, attention les bras de Richard. Oh, le caramel de Oumaga sur Richard. Oui, mais il est hors jeu, non? Oui, hors jeu. Monsieur Kaplan revient à la faute.
Alors qu'entre Umaga et Gourt, on s'explique. Non, mais il va y avoir des interventions des juges de touche. Pour les 2-13, là, je peux vous dire qu'ils ont le sang chaud. Hein. Mais oui, Richard Gourt, on le savait. Tanner Umaga, c'est pas mal non plus. Ah, c'est pas, c'est du costaud aussi. Il était bien monté en pointe. Un bon caramel sur Richard. D'habitude, c'est l'inverse. Mais ça arrive aussi d'en prendre. Alors, on va écouter. Alors, monsieur Kaplan appelle ses deux juges de touche, monsieur Henning et monsieur Jung. De nummer 4 van Zwart. Het hoge tackle hier. Ah, hij op blauw. Ja. Oké? Okay? Er komt niet blauw, dus ook niet meer die scrampen op haar staan. Het kan nog niet zijn, nummer 4. Allez, le plaquage. Ballon, plaquage haut, plaquage blocage de Umaga sur Dourte. On fait tomber la balle, on le renvoie chez lui. Voilà le plaquage qui bloque les ballons. Plaquage haut, mais permis. Et deux juges de touche. Hein. Là, c'est le tribunal au complet. Hein. Ah, ils annoncent des choses. Hein. Mais au début de l'action, il y avait eu un plaquage très très haut de Maxwell, d'ailleurs. C'est pour ça qu'Olivier Magne s'était un peu précipité sur la deuxième ligne néo-zélandais. Ouais. Je ne sais pas s'il va être pris par la patrouille, comme on dit, mais on verra. Alors, sanction. Faux. Verdict, en tout cas. Oui, on va... C'est Olivier Magne qui est appelé d'abord. Et on écoute. We got a hard tackle by you. Hard tackle by five. Hard tackle by five, okay? Par Maxwell. This man retaliated with a punch. The penalty has turned around. Coup de poing de Magne. Okay? Donc on va retourner normalement la pénalité. No, okay, but I have to turn it around. Okay, so take your ten. Have a word. Bon, et à l'arrivée, et ben, et voilà. À l'arrivée, ça se retourne contre les Français. L'histoire, de temps en temps, change, mais le verdict est toujours le même. À l'arrivée, c'est oui, on voit toujours celui qui se venge, qui se rend. Malheureusement, c'est vrai, mais bon, les arbitres de touche sont là, maintenant, leur donne du pouvoir. Et si Magne, mais peut-être, ne s'était pas rendu. Et bien, alors que là, regardez, on s'explique. Tête à tête entre Richard et Umaga. Laissons les arbitres arbitrer, laissons les joueurs jouer. On revient au jeu. Marshall pour Mertens. Passe Mertens pour Umaga. Umaga. Plaqué par Dourte. Récupération du ballon Gibson. Par Gibson pour les Néo-Zélandais. C'est un regroupement sur la ligne médiane. Marshall a sollicité Mertens. Coup de pied de déplacement qui veut surprendre Garbajosa et qui y arrive. La balle sort dans les 22 mètres de l'équipe de France. Mertens, on ne le voit pas trop. Il fait son petit match tranquillou. En retrait, et lui, vas-y, je t'envoie à droite, je t'envoie à droite, à gauche, je t'en mets en l'air, je te donne des petits ballons au ras, au large. Il fait son petit match, tranquille, Mertens. On ne dira jamais assez que ce sport, ça s'appelle le rugby football, et que le jeu au pied a au moins autant d'importance que le jeu à la main. Landreau. La tête est importante, et Mertens sait l'utiliser. Moni, qui a été un bon pourvoyeur. Allez, Califano, une belle charge, Cali, boum. Grafute. Superbe sur Robertson. Et là, va-t-on jouer le fermé ou va-t-on renverser? Avantage en cours pour les Français. La maison dégage loin devant. Et on revient à la faute. Position de hors-jeu de Robertson sur le regroupement. Et c'est une pénalité française. Alors que Hollett avait récupéré cette balle pour les Blacks. On s'est très très bien organisé l'air de jeu côté Black. On utilise de bons rideaux défensifs. On utilise bien les espaces. Obligeant la maison à taper. Mais on est toujours bien placé pour lancer. Et la maison qui renvoie le ballon en touche dans le camp de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Oh, quand je dis dans le camp, je devrais dire sur la ligne médiane. En tout cas, pour M. Henning, c'est la ligne médiane. Pas généreux, hein, le juge de touche sud-africain. Pas généreux. On a pris beaucoup de profondeur côté français. On l'a mis sur ces images. Moni a détourné tout de suite. Ballon dynamique, juste volé. Richard Dourte à la belle tactique. Sauté pour un combat. Combat qui peut donner, Sadoni en position d'ailier. Faut laisser vivre ce ballon. C'est bien. Et là, il faut renverser. La maison. Il y a du nombre. Landreau au contact. Ballon libéré pour Julien Pivot qui peut servir Magne. Magne qui avance d'un mètre, deux mètres, qui arrive sur les 22 mètres néo-zélandais. Le ballon est toujours pour les Bleus. La maison pour Califano. Califano plaqué dans les 22 mètres All Black. Bon, le ballon est toujours pour les Français. C'est bon ça. Oh, c'est un essai ça. Ça doit se terminer par un essai. Essai de Bonnard. Il a confondu sa tête avec le ballon. Oh, quel dommage. Oh, l'essai imparable sur la passe entre
Juillet, Monny. Oh, quel dommage. Et oui. Oh, qu'il est malheureux, Christophe Monny. C'était les imparables français, regardez. Superbe action de Pelou. C'est au moment de tomber qu'il donne un super ballon à Juillet. Et là, c'est passe. Et voilà, les deux têtes qui se... Ah, il se voyait déjà Pierre, dans l'embut, hein, Christophe Monny. Ouais, Pierre, mais il va y avoir une intervention du juge de touche ici, côté droit, parce qu'au départ de l'action, avant le renversement, il y a eu une grosse altercation avec encore Maxwell, je trouve, qui est souvent côté milieu fait. Excusez-moi, avec Franck Gomba, c'était sur le bord de touche, carrément sur le banc de touche. Depuis qu'ils se sont achetés des lentilles, ils voient de loin les juges de touche. Hein. Ouais, Maxwell, il cherche un peu la bagarre. Il fallait deux Français pour le grand Maxwell. Maxwell, on l'a surnommé en Nouvelle-Zélande Mad Max le justicier. Vous comprenez pourquoi maintenant ? Explique cela. Mais c'est un ballon perdu et récupéré donc par en avant, on parlait pour les Blacks. Belle poussée française. Marshall. Le ballon est sorti en touche. Mais c'est toujours dans les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Sous la pression de Magne, omniprésent aujourd'hui, qu'on n'avait pas trop vu la semaine passée. Il y a de l'argne. Il y a de l'argne chez tout le monde là. Il y a de la liberté aujourd'hui, on lui en laisse. Et ça, les troisième lignes, quand vous les voyez, c'est que le 5 de devant fait le numéro 1. Donc le 5 fait un énorme travail pour libérer le 6, 7 et 8. On n'en parle jamais assez de ce 5 de devant. Léné, plus vite s'enculer, Tom. Alors le ballon. C'est quand même un ballon pour jouer au rugby. Alors là, je pense que côté français, on va faire la même entame que sur la touche précédente avec Richard Dourt, qui là avait donné à Titou la maison, qui avait redoublé. Et là, peut-être que Richard va garder pour justement amener le même début de la tactique, mais changer la suite. On essuie le ballon côté Landreau. C'est un ballon important à ce moment de la partie, puisque nous sommes toujours menés. 4 points de retard. Le ballon est gagné par les Noirs. Récupère finalement Pelousse à la corde. Au plus de 5 mètres, Fabien Pelousse. Califano. Il faut rester sur ce bout. Voilà, et on pousse. Allez, debout, bien debout là. C'est bien. Un petit déroulé devant. Essai marqué par les Bleus. Essai de l'équipe de France. Essai de Galtier. Essai accordé à Fabien Galtier. Avec la poussée de tous les avants français, c'est Fabien Galtier qui va aplatir dans l'embut néo-zélandais. On est bien lié en désaxe. Regardez Juillet qui va faire tourner le môle. Ça, c'est très technique ce qu'il a fait, Juillet. Et là, Galtier, le corps bien balle, les appuis sont là. Il tend les bras et le ballon qui franchit la ligne. Bien vu, monsieur Kaplan. Et à cet instant même, la France qui reprend l'avantage au score 31-30. Regardez comme ils sont joyeux, Serge Betsen. Et tout le clan français. Regardez. Galtier, c'est pourtant numéro 9, mais regardez, il a le corps qui est bien bas, il est sur les appuis, il est bien lié à pelouse. Oh, c'est et c'est toute la maison qui va l'amener en terre promise. Magnifique, magnifique. Super. On y est, on est revenu. Magnifique. Toute la maison pour la transformation. 31 pour la France, 30 pour la Nouvelle-Zélande. Les Français reprennent l'avantage. 33 maintenant, vite 33. Quel match, on vous l'a dit, les temps forts, les temps faibles, et bien c'est ça aujourd'hui, temps fort français on marque. Temps faible, et bien il faut qu'on soit aussi capable de gérer la pression All Black. Bien. Ça va bien docteur, les Bleus se refont une santé, oui. Attendez, on va attendre un arrêt de jeu. Allez pelouse, bien dévié, combat. Ah, ça fait du bien au moral. Galtier, la maison. Le bon coup de pied de la maison. Et Cullen n'arrive pas à sauver cette balle qui se rend touche dans ses 22 mètres. Alors que la maison voit, discute avec les kinés. Serait-il blessé Jean Veillou? Oui, on va demander à Sylvain Marconnet. Alors c'est l'essai là qui va remettre vos partenaires dans le match. Ben, j'espère, c'est vrai qu'on a fait une belle entame. On voulait faire plaisir au public marseillais. On essaye de faire du jeu. La semaine dernière, on a vu qu'on pouvait rivaliser avec ces Blacks. Aujourd'hui, on leur rend moins de ballons et on voit qu'on peut les tenir, j'espère que ça va tenir, mais je pense que le public va pousser derrière nous pour une belle victoire aujourd'hui. Et il est formidable ce public marseillais, il mériterait bien France-Italie du tournoi des 6 nations, voire une finale de la Coupe d'Europe des clubs. Allez, pendant ce temps, les Blacks commencent leur travail de sape. Belle pression de Magne sur Mertens,
l'oblige à taper en catastrophe. Et ça, c'est Bernat Sall à la relance. Allez, crochet, on va chercher bien Bernat. Il a du carnet et du jus. Galtier. Oui, belle redoublée. La maison. La maison au large. Oui, il a trouvé Sadourny. Sadourny d'un coup de pied à ça là-bas qui s'en va chercher la touche. Bien joué, le bon Sado. Ah, c'est magique. Superbe Sado, il était esselé. Eh bien, il a dit, je vais taper dans l'angle opposé libre. Et on va suivre. Monumental le coup de pied de Jean-Luc Sadourny. Monumental. Ah, il a de la bouteille, de l'expérience et de la vista, ce jeune Sadourny. Plus jeune que vous, non? Et on maintient les Blacks sous pression chez eux. 34 ans Jean-Luc, mais toutes ses jambes. Les Blacks font la remise en jeu au fond. Oh, la balle est récupérée par Brousset pour l'équipe de France. Ils perdent le nord les Blacks, c'est le moment d'en profiter les Bleus. Drop de la maison, c'est un ballon là. Titou la maison, drop. Le voilà le drop. Ouais. Ouais. Et ça passe, 3 points de plus. Bien vu Thierry Lacroix. C'est ce que vous auriez fait de toute façon. Oui, ils sont marqués là, c'est un ballon bien récupéré. On est au pied des poteaux, on mène. Ballon là, c'était ou la croisée, ou jouer au rab et les avants, ou le drop. Et là, superbe passe de Galtier. Un petit peu basse, mais la maison en a vu d'autres. Et là, la de Chig entre les pagelles. Et ça fait 6 points d'avance pour les Bleus maintenant. 36 à 30. Quel match! Quel match! Brousset à la charge. Ballon récupéré côté français. On va jouer au pied avec Nord. Attention, Garba de passe enflammée. Jouons les fondamentaux. Voilà. Galtier a servi la maison. Ouh, le long coup de pied de la maison. Il fait reculer Kullen. Dans ses 22 mètres, Kullen, l'arrière néo-zélandais, pour une contre-attaque. Attention, parce qu'il est dangereux celui. Là, quand on lui donne du champ. Kullen vient de passer la ligne médiane, tape à suivre pour lui-même. Récupère cette balle comme un basketteur qu'il est et qu'il a été. Heureusement qu'il fait un en avant, Kullen. Attention à ce joueur-là, il ne lui faut pas beaucoup d'occasion. Regardez, il tape par-dessus, il va lui longer la ligne. Il a sauté bras gauche. S'il avait pu le remettre sur le bras droit, c'était gagnant. Christian Kullen qui a pris la place de Don Clark au palmarès de l'arrière néo-zélandais. Le plus capé de l'histoire des Blacks, c'est pas rien. Donc non, c'est pas une mince affaire de prendre la place à Ben Clark. Allez, on en profite pour récupérer parce que je peux vous dire que il y a besoin de souffler. Hein. Ouais, mais le public, lui, mais il souffle pas. Le public de la Méditerranée, là. Et il va y avoir un troisième changement de 109 à côté sur les Français. C'est Serge Betsen, le Biarro, qui remplace le Parisien Christophe Mouni en troisième ligne. Serge Betsen pour l'équipe de France. Faire plaisir à la côte basque, à Biarritz. Et puis vous savez, il y a tous ceux qui sont sur le banc de touche, ceux qui ne sont pas rentrés, ceux qui sont sortis, qui ont aidé le Biarro à s'habiller, notamment avec son casque. Et cette eau-là qui se dessine encore dans ce stade Vélodrome, qui ne demandait qu'à vibrer aux exploits du rugby. Surtout que le foot tourne pas trop. Eh bien, ils ont marqué 4 buts quand même au passage hier. Hein. Ou le bon côté fermé. Oui, c'est échappé de Juillet. Juillet en croise. Déjoué Fabien, oui, il y a Magne. Pour Magne. Allez, droit devant. Droit devant, Galtier. Il n'y a plus que 5 mètres. Bien porté, Betsen, poussez-le. Il y a des espaces, petit tour large. La maison large, c'est Yeltsin. Allez, combat. Le surnom, combat à l'intervalle d'un gourmand. Oh, il est un peu gourmand. Oh, ça fait rien, on contrôle la balle. Non, plaqué, il a gardé la balle au sol. Le décalage était fait. Attention, vite à jouer par les Blacks. Ah, il a cru pouvoir prendre l'intervalle avec ses jambes alors qu'il y avait le surnombre. Ça, c'est le mauvais choix. Aïe, celui-là, on va peut-être en reparler à la fin de la partie de cette occasion ratée. Oui, ça pourrait même lui coûter cher pour la suite de sa carrière internationale à ce pauvre Franck Combat. Regardez, l'angle sauté, Combat, il a 4 joueurs démarqués, 2 All Blacks. Faute trou laissé par les Blacks, c'est bien joué. On laisse le joueur un espace pour lui dire vas-y. Parce qu'au large, ils étaient pris les Blacks. C'est technique, c'est tactique, bien vu messieurs. Il a tenté. Et le jeu pour l'instant arrêté car on est en train de soigner Olivier Magne. Un peu de froid sur sa jambe gauche. Qu'il était important ce mouvement français. Oui, je crois qu'il va falloir la garder cette action parce qu'à l'heure du bilan, effectivement, elle peut coûter cher. Il le sait, Franck Combat. Il va se rattraper. Vous allez voir. Le sait, Franck, qu'il a fait le mauvais choix. Mais il a tellement de talent. Il avait été tellement brillant, notamment contre l'Australie. Il a tellement compté sur ses jambes de feu que cette fois, ça n'a pas réussi. Ah, ça m'est fallu de peu. Landreau. Pelouse, bon lancé. Oui, récupéré, dévié. Hop, superbe passe plongée. Richard Dourte intérieur à Mertens.
Ah, il perd le ballon. Il a perdu la balle en avant. Oui, mais on est venu, monsieur Oliver, on n'était pas à 10 mètres, on est venu avant que la touche soit finie, voilà. Et c'est une pénalité pour les Français. On était à hauteur de la ligne médiane. Et cette passe plongée de Galtier, superbe passe de 20 mètres de Fabien Galtier qui trouve la maison. Oui, Fabien Galtier d'ailleurs qui va céder sa place après cette action à Philippe Carbonneau, le grand retour de Philippe Carbonneau. Et comme me le fait remarquer si bien Jean-Louis Calvejean qui connaît ses classiques, notre producteur, c'était une passe à la Lacroix, mais à la Pierre Lacroix, oui. L'ancien demi de mêlée d'Agen et de l'équipe de France. Carbonneau dans le Palois le retour, sur le terrain. Le retour de Carbonneau. Vous savez qu'il avait manqué la Coupe du Monde pour une grave blessure. Carbo, il sait tout faire, il a joué partout, joueur talentueux Carbonneau, super leader aussi d'un paquet d'avant qui ne demande que des chefs d'orchestre comme il l'est, comme les Galtier. Il a tout ce qu'il faut Carbo, donc c'est le moment d'en profiter. Titou la maison, pénalité plus de 50 mètres. Allez Titou. Voilà, il n'a pas forcé le coup de pied, bien équilibré, ça prend la trajectoire, elle n'est pas gère, oui. Oh, il est euphorique. Il est chez lui, la maison, ici, au stade Vélodrome. Et il rajoute 3 points à l'équipe de France. Il est en train de devenir, comme à Twickenham il y a un an, le bourreau des All Blacks. Après Mertens la semaine passée, mais pourquoi pas la maison aujourd'hui. On lui souhaite et on leur souhaite. Et puis il y a une vraie solidarité dans cette équipe. On se tape dans les mains, on s'encourage. On le voit sur le terrain entre les Bleus. Allemagne. Qui a pris un arrêt bouffé par Robertson. 21 points de la maison depuis le coup d'envoi. Voilà. 21 points, quelle performance. Il en avait marqué 28 à Twickenham. Rihanna pour Kullen. Kullen à la relance. Attention. Attention à Kullen. Bien pris, pris par Betsen qui lui a fait voir là, les Pyrénées. Soulevé du sol qu'il l'a été. Je me méfie que chaque fois que Kullen touche le ballon, parce qu'il a marqué 42 essais en 49 sélections celui-là. D'ailleurs, regardez, c'est Comba et c'est pas Betsen. Regardez comme il se reprend, Franck Comba. Belle cartouche. Snatter, le pilier. All Black en difficulté. La balle va sortir. Quib pour les Néo-Zélandais. A choisi le côté fermé. Il est pris par Magne. Marshall. Mertens. Gibson maintenant pour les Blacks. Plaqué par Betsen. Robertson. Il ne touchera. Et là, il est tout seul. Mertens, coup de pied. Récupération du ballon. Jean-Luc Sadourny pour l'équipe de France. Une belle, beaucoup de pieds de Sadourny qui va trouver Mertens. Mertens sauve la balle. Il échappe au plaquage de Garbajosa et tape à suivre. Il va récupérer Bernat Sall. Bernat Sall. Lacader bloque Bernat Sall qui libère bien son ballon côté français. Bien vu, il n'a pas voulu se laisser pousser en touche. Il est resté sur les appuis. Carbo rentré dans le terrain. La maison. Ils étaient équipiers à Brive encore l'an passé tous les deux. L'un est maintenant à Pau, l'autre à Agen. Rihanna pour Kullen. Il y a du surnom, attention, parce qu'il va vite lui, Olette. Olette, il navigue bien, mais il est pris par Betsen de ses quatre. Et Richard Dourte aussi, récupération française. Ah, talonnage à la mer. Talonnage, on a plongé. En l'occurrence, il pénalise Betsen d'être allé plonger au sol et récupérer la balle. Alors que Carbonneau avait pris le petit trou, le souris. Regardez au sol, vous voyez, là, il y a eu. C'était avant que De Villiers dévie la balle. Pénalité pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Mertens va la tenter. Je vous rappelle le score ici à Marseille. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire dans la deuxième période. 36 pour la France, 30 pour la Nouvelle-Zélande. Rien n'est gagné. Les Blacks seront menaçants jusqu'au bout. Hamet là, qui a l'air de se chauffer. Il
alors que Mertens tente cette pénalité. Et ça passe. Oui, ça prend bien le chemin des poteaux et ça passe. Les plaques reviennent à 3 points. La course poursuite continue ici à Marseille. Et nouveau changement. Oui, pardon. Thierry, côté néo-zélandais, avec la sortie du talonneur Anton Oliver, il est remplacé par Mark Hammett. Et aussi Hammett en gros plan. Hammett. France 39, Nouvelle-Zélande 36. Et le coaching marche aussi côté All Black où on met du jus, des jambes, de la fraîcheur. On vous l'a dit, temps faible, temps fort, coaching, c'est le rugby moderne. On les enjeux titulent la maison. 3 points d'avance pour l'équipe de France, le chat est maigre. France 39, Nouvelle-Zélande 33. Mertens, oh, le long coup de pied de Mertens qui traverse le terrain. Et qui renvoie le jeu dans le camp de l'équipe de France. Ça fait mal, on est monté sur ce long renvoi de 50 mètres pour revenir 50 mètres en arrière. Le marathon a commencé. Le plus frais gagnera, le plus intelligent aussi sera géré ses temps fort et fort. Allez, Landreau, il nous faut les ballons, les munitions en touche. Il a lobé pelouse, mais Califano la récupère. Non, on a poussé pelouse. Ça sera une pénalité bracassée, vite joué oui. Par Carbono. Magne. Qui arrive sur la ligne médiane, plaqué par la grosse défense des Néo-Zélandais, mais le ballon est toujours pour les Bleus. La maison qui essaie de promener Cullen à la réception, l'arrière néo-zélandais qui tape à suivre à son tour. Il va trouver Sadourny à la relance. Bien joué. Pour la maison derrière ses 22 mètres. Ah, belle diagonale, dit tout la maison qui va renvoyer le ballon à 40 mètres des buts All Black. Les Français à une minute du bonheur dans le temps réglementaire. Rappelez-vous, Toulouse 95, Nantes aussi, l'équipe de Fourou. Hamet a servi, Marshall, Gibson, pour Mertens, 88 Oumaga, plaqué par Betsen. Marshall. Gibson. La Marseillaise chantée par un public euphorique. Attention. Marshall, ça joue. Superbe côté Black. Il faut serrer côté français. C'est le moment fort Black. Les Blacks dans le camp des Bleus. Charge de Robertson, dit le rasoir. Ballon libéré pour Marshall. Mertens. Petit dans le dos, bien vu Sadourny en couverture avec Bernard Sall. Sado qui résiste à la lutte de Olet et Oumaga. Voilà, on va calmer, bien vu Carbono. Toute la maison dans l'axe, on récupère, voilà c'est fait. La pression de Olet. Rihanna. Il a servi Randall, il a trouvé Mertens. Mertens pour Cullen. Oh, mauvaise passe de Cullen pour Gibson. La balle sort en touche. Et qui plaqué Cullen? Eh bien, c'est notre homme à tout faire, Olivier Magne. Partout. Quel athlète, c'est Olivier Magne. Allez, nouveau changement chez les Français. Cette fois, c'est Olivier Azam, le talonneur, qui va remplacer donc Fabrice Landreau. Et regardez comme il encourage ses partenaires en sortant Fabrice Landreau. Azam, il joue à Gloucester, le club entraîné par Philippe Saint-André. Superbe Landreau, combattant, infatigable, quel esprit aussi. C'est la belle, et c'est peut-être la belle victoire en perspective. Prise de balle brousée. Carbono. Azam. Belle charge d'Azam. Carbono pour la maison. Chandelle de récupération. Allez Richard, il faut aller dessous. Il y est. On joue au volleyball en ce moment. La balle est finalement contrôlée par Crib, le troisième ligne centre de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Chassé par Pelouse, le capitaine, qui l'accroche au sol dans ses 22 mètres. Héroïque, c'est Français en défense. On est bien organisé. Il ne faut pas se mettre hors jeu.
Il sort les Blacks jouer au pied. Rana vient de servir Gibson, passe sautée, destinée à Mertens qui sollicite finalement Umaga. Umaga pour culer dans position d'ailier face à Bernatsol. Randle pour Umaga. On se la terre sous la pression, on n'a pas contrôlé la balle. Elle sort quand même pour les Léo Noirs. Gibson. Il a du jus, Gibson, attention à lui. Bien pris par combat. Il est puissant, Gibson. Rena. Mertens. Randle pour Crib. Plaqué. Umaga. Oh, ils plaquent comme des morts de faim, les Bleus, en cette fin de match. Ils sentent l'exploit à leur portée. Euphorique la défense française qui a stoppé ce mouvement black de 2-3 minutes. Quelle défense bleue! Le changement côté néo-zélandais, certainement le dernier avec l'entrée de Troy Flamel en deuxième ligne à la place de Norm Maxwell. On aurait pu accorder le talent d'or de ce match à tous les Bleus, on aurait pu l'accorder aussi au formidable public de Marseille et finalement on va l'accorder à Olivier Magne. Alors que Maxwell est en train de quitter maintenant cette pelouse du stade Vélodrome, le deuxième ligne de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et information importante, Pierre, Monsieur Kaplan a fait signe à ses juges de touche, il y aura 3 minutes de temps additionnel dans ce match. 3 minutes à tenir, allez, 3 minutes pour l'exploit et 3 points d'avance pour les Bleus. Et c'est notre mêlée qui reprend le dessus. Dans les basiques, c'est là justement qu'il faut être fort dans ces moments-là. Mêlée, touche. Notre mêlée nous a fait avoir cette pénalité. Bras cassé, on ne pourra pas taper directement au poteau ou en touche. Parce que c'est un bras cassé. Par contre, la chandelle est réalisable. Ou le jeu. Voilà. Assam. Renversement. Garbajosa par-dessus. Et Mertens sous la pression, Kullen. C'est bien, les Bleus de toute façon sont dans le camp des All Blacks. Ils ont 6 points d'avance. Ils sont en train d'asseoir leur succès. Surtout pas maintenant paniquer. Parce que la victoire est en vue. C'est bien, on contrôle la balle, on laisse passer le temps, on joue au rang, on ne prend pas de risque. On veut essayer de mettre les Blacks à la faute. La maison. Dans le diagonale, Kullen ne courra pas. Oh, quelle touche trouvée par la maison à 5 mètres de la ligne All Black. C'est ça aussi, jouer avec la tête. On restera, on contrôle la balle, on tape dans les angles, on maintient la pression sur les Blacks. Et en même temps, le temps s'écoule. 6 points d'avance, au-delà du temps réglementaire, on est en train de jouer maintenant ce match. Ce match qui est en train d'entrer dans l'histoire, comme le match de Toulouse, comme le match de Nantes. Car même à domicile, battre les Néo-Zélandais reste un exploit. Essayez de poser, allez, poser, il faut l'aider là. Il est retourné. La balle est toujours pour les Bleus. Califano au contrôle. On écoute Carbono. La maison. Magne. Le puissant Olivier Magne. C'est Carbo. Un super ballon à jouer. Il y a un essai au bout. Il y a prochain le salon. Essai. Il y a un essai au bout, l'accorde-t-il ? Non. Ah, bénéfice du doute, ça sera une mêlée à 100 mètres. Quel crochet de Jean-Luc Sadourny. Il n'accorde pas au vieux guerrier Jean-Luc Sadourny l'essai qu'il méritait tant pour clôturer sa carrière. Vous vous rendez compte, quelle fin pour Jean-Luc Sadourny. Regardez, il a raison, oui, puisque a raison. Marshall s'est mis, en l'occurrence Robertson s'est mis sous le ballon. Jean-Luc n'a jamais pu aplatir et toucher le sol avec la balle. Je précise qu'il n'y a pas le vidéo-arbitrage ici à Marseille, alors qu'il y avait le vidéo-arbitrage cet après-midi à Twickenham, et c'est grâce au vidéo arbitrage que les Anglais ont battu les Australiens. Les 3 points qui tournent à se mettre en profondeur. Longue passe de Carbo, drop de la maison. Si ça gagne pas, ça passe. Si ça passe. Voilà le héros du jour, Titou la maison. Maintenant c'est gagné, maintenant c'est sûr. Ils l'ont fait. Quand on vous disait qu'impossible n'est pas français, ça se vérifie encore ce soir, alors qu'il n'était pas donné favori, loin s'en faut, les joueurs de l'équipe de France, mais qu'ils ont tout donné pour un exploit.
26 points de Titou Lamezo. Il est à 2 points de son record de Twickenham. Et c'est fini. Et c'est fini. Et ça se termine sur une bien belle victoire. Et quelle victoire ici à Marseille. La victoire de l'équipe de France qui prend sa revanche sur l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et quelle revanche. Parce que c'est la série que l'équipe de France gagne. Allez, elle gagne la belle, cette équipe de France, elle le mérite bien. Oui, Jean Abeillou. Attendez, les Français sont en train de savourer leur bonheur et Olivier Mann, bien sûr, fait partie d'eux. On va essayer de le récupérer. Puisque vous l'avez dit, c'est le talent d'or de ce match. Mais regardez un petit peu la joie de tous les joueurs français. Ah, ils sont partis pour un tour d'honneur. Olivier. Oui, une belle image des Français sur la pelouse de Marseille en train de saluer les joueurs néo-zélandais. Allez, ça y est, Olivier, il a serré la main des vaincus. Olivier, c'est un bonheur fou, ce, hein. Comme la demi-finale, c'est ça? Non, on ne peut pas comparer les deux événements, mais c'est quand même fabuleux parce que on savait que lors des deux premiers tests, on avait la possibilité de battre ces équipes de l'hémisphère sud. Et aujourd'hui, avec 3 semaines de préparation, on montre que l'équipe de France, elle a sa place dans le quota mondial, voilà. On revoit votre essai, celui qui a fait un petit peu, qui a allumé le feu. Allez, vous voulez. Ouais, on le fait après, je vais fêter ça avec les copains. Allez, allez-y, on le laisse aller savourer. Il a envie de faire le tour d'honneur, regardez, oui. Olivier Magne. Ah oui, il le mérite bien, le public de Marseille le mérite tant. Pierre. Bravo les Bleus, oui Nelson Montfort. Aux côtés de Todd Blackadder, le capitaine du 15 des All Blacks. A word, Todd, on this French team today. Un petit mot sur cette équipe de France. I won again, Nelson. I won again. Putting the ball behind us and teaming us around. Ils ont joué un match de rugby absolument remarquable en mettant souvent le ballon derrière nous. Inside their 22, they sort of lifted their game and they scored some good tries. And ils ont marqué de remarquables essais. And really sort of kept us under pressure and. Yeah, we were back in the game. Ils ont vraiment très très bien occupé le terrain. Bien sûr, nous sommes bien revenus. Todd Blackadder, capitaine des All Blacks. Thank you, Todd. Merci. C'est extraordinaire quand même le rugby. Jusqu'à hier, on était prêt à dire, mais vous vous rendez compte le fossé qu'il y a entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On n'est pas organisé, on n'a pas les structures, on n'a pas le championnat dans notre hémisphère nord pour rivaliser avec le sud. Et puis qu'est-ce qui se passe? Cet après-midi à Twickenham, c'est l'Angleterre qui bat les champions du monde australiens. Et ce soir ici à Marseille, c'est la France qui bat la Nouvelle-Zélande. Moralité, Thierry Lacroix, il n'y a pas de vérité. Non, il n'y a pas de vérité dans ce jeu. Un rectangle vert est un rectangle vert. 15 bonhommes, 30 bonhommes en culotte courte qui se disputent un ballon capricieux avec des faux rebonds. 3 hommes de la circulation au milieu. Mais c'est ça, un match de rugby. C'est tout la maison avec Jean Beillou. Ah oui, mais parce qu'il a envie lui aussi de faire le tour d'honneur parce que c'est un vrai bonheur là aussi, comme Olivier Mann. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est. Je sais pas si c'est historique, mais c'est encore quelque chose de grand qu'on a réalisé ce soir. On ne pouvait pas perdre ici dans ce temple de foot et c'est vrai que pour jouer des matchs comme ça ici à Marseille, j'ai signé tous les week-ends. Allez, merci du tout. Oui, ils étaient 16 ce soir. Ils étaient 16. Les 15 joueurs de l'équipe de France et ce public de Marseille. Il faudra s'en souvenir. Il faudra s'en souvenir chaque fois qu'on décidera d'inviter en France des équipes en tournée. Marseille mérite un test. Marseille l'a démontré ce soir et l'équipe de France lui a bien rendu à ce public marseillais, hein, Thierry. Oh que oui, quelle ovation, mais ça a commencé avec le tour d'honneur, le tour de chauffe qui était comme un tour d'honneur, vous voyez, comme quoi on commence et on finit une rencontre. Eh bien pareil, avec un succès, avec un tour, avec un public qui demande que ça, vibrer surtout avec du rugby de cette qualité-là. Victoire de l'équipe de France sur les Blacks, c'est une victoire historique, oui Jean. Allez, on a retrouvé Olivier Mann et a fait ce tour d'honneur parce que vous êtes le talent d'or. Il faut le fêter, cette victoire et ce talent d'or. Vous souvenez de l'essai que vous avez marqué en deuxième période? Vaguement, ça a été très rapide. On a eu une période euphorique pendant 20 minutes où tout ce qu'on entreprenait nous réussissait. Et je crois que c'est Fabien qui, sur une avancée de nos avants, me donne le ballon à hauteur dans un intervalle et puis j'ai plus qu'à finir. Alors on le disait, cette équipe de femmes, elle travaille bien, il faut qu'elle gagne. Vous avez douté à un moment donné pendant les heures d'entraînement? Non, pas pendant les heures d'entraînement parce que on savait qu'avec si peu de temps, dans la durée, on a du mal à rivaliser, mais je crois qu'avec 3 semaines de travail, on a montré qu'on pouvait se hisser au plus haut niveau et qu'on avait la possibilité de figurer dans les meilleures nations du monde. Donc
pour nous, c'est une grosse, grosse satisfaction que de repartir avec ce test gagné. Parce que je crois que sur les trois tests, ça reste positif. Merci Olivier, encore bravo. Quel grand bonheur ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire avec Thierry Lacroix? D'abord que quand il n'y a plus de sport sur l'antenne, le sport continue sur notre site internet www.france2.fr. Nous vous donnons rendez-vous dès demain à partir de 8h pour Rencontre à 15. Nous commencerons à reparler évidemment de ce match. Et évidemment, demain soir dans Stade 2, nouveau décor, nouveau studio, avec Thierry Lacroix, avec Fabien Pelous, le capitaine de l'équipe de France, avec Christian Prudhomme, pour présenter Stade 2, un Stade 2 en l'honneur d'une équipe de France qui nous a fait bien plaisir quand même ce soir. Merci, merci de nous avoir été fidèles à l'heure du prime time. On vous refera ce grand bonheur, surtout que l'équipe de France maintenant nous a donné la preuve qu'elle est capable d'un exploit à l'heure du foot. Merci de nous avoir été fidèles. Ça continue sur notre antenne, restez-nous fidèles, parce qu'après la pub, tout le monde en parle, et c'est avec Thierry Ardisson. Salut !